Ça va, tout le monde est connecté. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Je déclare ouverte la séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune du mardi 22 septembre 2020. Je salue les collègues présents dans l'hémicycle et je salue les collègues qui nous suivent à distance via le système Webex de vidéoconférence. Alors, chers collègues, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune se réunit aujourd'hui de plein droit, conformément à l'article 71 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. En vertu du préambule au règlement, le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ont le même bureau. L'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune est dès lors constituée. Il en sera donné connaissance au roi, au Sénat, à la Chambre des représentants, au Parlement de la communauté française, au Parlement flamand, au Parlement wallon, au Parlement de la communauté germanophone, au Parlement francophone bruxellois et au Raad van de Vlaamse Gemeenschap Commissie. Conformément à l'article 23.3 du règlement, les commissions devraient se réunir afin de procéder à la nomination de leurs bureaux respectifs. Mais si le Parlement est unanimement d'accord, nous pourrions simplifier la procédure et considérer comme réélus les membres des bureaux des commissions, à l'exception, bien entendu, des commissions où un changement est prévu et à l'exception, vous rappellerez, des mandats au niveau du bureau. Y a-t-il des observations ? Il en sera ainsi. Alors, quelques communications qui ont été faites à l'Assemblée réunie. Vous informez qu'un arrêté a été transmis à l'Assemblée réunie par le Collège réuni. Il va figurer en annexe du compte-rendu intégral de cette séance. Vous informez également que, par courriel, le 27 juillet 2020, Médecins sans frontières a transmis un rapport intitulé « Les laissés-pour-compte de la réponse du Covid-19, partage d'expérience sur l'intervention de MSF dans les maisons de repos de Belgique ». Il est renvoyé à la Commission de la Santé et de l'Aide aux personnes. Par lettre reçue le 8 septembre 2020, le président et l'administrateur délégué adjoint de l'interhospitalier régional des infrastructures de soins, IRIS, transmettent, en application de l'article 135 ter de la loi du 8 juillet 76 organique des CPS, le rapport annuel d'activité d'IRIS Fêtière 2019 qui a été adopté en Assemblée générale le 15 juillet 2020. Il est renvoyé également à la Commission de la Santé et de l'aide aux personnes. Chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion générale du projet d'ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'État fédéral, la communauté flamande, la région wallonne, la communauté germanophone et la COCOM concernant le traitement conjoint des données par Cienzano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes présumées infectées par le coronavirus Covid-19 se fondant sur une base de données auprès de Cienzano. C'est le document B44-1-2-2019-2020 de Algemene Bespreking is geopend. Mevrouw Els Rochet, rapporteur, heeft het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb het genoegen jullie het verslag over te maken namens de Commissie voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van het ontwerp van ordonnantie betreffende het samenwerkingsakkoord. Op 10 september hadden we hierover een uitgebreid en zeer interessant debat en ik probeer het zo goed mogelijk samen te vatten, maar voor de volledigheid verwijs ik uiteraard naar het verslag dat 28 bladzijden telt. De inleiding door voorzitter van het Verenigd College, Rudy Vervoort. Contact tracing en opvolging is het opsporen van contacten van besmette personen en hen aansporen de nodige maatregelen te nemen om nieuwe besmettingen te voorkomen. Dat is noodzakelijk om de coronapandemie in te dijken. Het kan manueel en digitaal gebeuren. De federale staat is bevoegd in zaken wetenschappelijk onderzoek. Het opsporen van COVID-19 besmettingen is gemeenschapsbevoegdheid. Het beheer van de gegevensbanken en de regels met betrekking tot de opdrachten en de werkwijze van het contactcentrum is ook gemeenschapsbevoegdheid. Conclusie, een samenwerkingsakkoord is nodig om contact tracing te kunnen doen.
Een gegevensbank met daarin de testresultaten, de besmette personen en hun contactgegevens is het fundament. De VVGGC koos dan ook om aan te sluiten bij die centrale gegevensbank, beheerd door Cienzano. Het samenwerkingsakkoord biedt de juridische basis voor die gegevensbank. Gegevensbank 1 is de centrale gegevensbank. Daarin staan de persoonsgegevens die door zorgverleners en zorginstellingen zijn verstrekt. Naast deze centrale gegevensbank zijn er nog 4 andere gegevensbanken. Ze beantwoorden aan alle verplichtingen die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden opgelegd. Wie meer wil weten hoe het manueel contactonderzoek verloopt, verwijs ik door naar het verslag. Het samenwerkingsakkoord geeft ook een wettelijk kader voor het contactonderzoek met een digitale contactopsporingsapplicatie. Een burger beslist autonoom of hij die app wil installeren of gebruiken. Om effect te hebben, moeten zoveel mogelijk burgers die app gebruiken. Maar als ze de app niet vertrouwen, zullen ze dat niet doen. Daarom worden privacyregels streng gevolgd en worden grondrechten gerespecteerd. Tot besluit beantwoordt het samenwerkingsakkoord aan alle principes van het gegevensbeschermingsrecht. En dat zijn 10 principes die u ook in het verslag kan lezen. De algemene bespreking. Veel parlementsleden namen het woord. Dat er een spanningsveld is tussen contacttracing en privégegevens beschermen kwam meermaals ter sprake. Veel sprekers, waaronder de eerste spreker mevrouw Khadija Zamouri, benadrukten dan ook het belang van goede uitleg. Wantrouwen over de bescherming van persoonsgegevens staat een efficiënte contactopsporing in de weg. Komt er een informatiecampagne voor burgers? Madame Stéphanie Koplovic se pose des questions par rapport au délai de conservation de 60 jours sur le choix de la pseudonymisation des données échangées à des fins scientifiques, alors que leur anonymisation est prévue dans la législation relative au suivi médical. La députée concède que la Ligue des droits humains et Amnesty International avaient donné l'alerte sur le caractère inutile, voire dangereux, de la collecte du numéro d'identification au registre national. Et il devrait par ailleurs aller de soi que les personnes qui ne sont pas inscrites au registre national sont néanmoins concernées par le suivi des contacts. Madame Frémaux a rappelé qu'il faut démontrer aux citoyens l'intérêt de la collecte de leurs données à caractère personnel et partant la plus-value du dispositif mis en place. Elle a cité que les experts estiment qu'un taux de 60% serait nécessaire en Belgique pour un suivi efficace, mais de 15% seulement si l'application venait en renfort d'un système bien en place de suivi manuel. Qu'en est-il de la mise en œuvre de l'application? Comment se déroule la phase de test en cours? Madame Teitelboom a déclaré que les citoyens perçoivent le suivi des contacts comme une menace à la protection de leur vie privée. Quel taux de couverture devrait être atteint par l'application mobile pour que le suivi numérique des contacts soit efficace? Quelle stratégie de communication est envisagée pour informer les citoyens? Qu'en est-il des migrants et des personnes sans abri? De heer Verstraeten merkt op dat het samenwerkingsakkoord een rechtsgrond biedt voor zowel een manueel als een digitaal contactonderzoek. En dat het de geldende privacyregels lijkt na te leven. Ook hij onderstreept het belang van communicatie en pedagogie naar burgers. Hij betreurt dat er geen enkele evaluatieprocedure wordt voorzien in het samenwerkingsakkoord. Madame Nagy a insisté sur l'importance de la communication et de la pédagogie pour convaincre les citoyens d'utiliser l'application. Elle s'interroge sur le rôle central confié à Cienzano. Cette institution ne fait l'unanimité ni au sein du monde politique, ni au sein du monde scientifique. Madame Plovy a demandé des précisions relatives au contact des contacts. Quel élément justifie leur inclusion ou non dans l'une ou l'autre des bases de données? La députée demande la plus grande transparence, notamment à propos des marchés publics, de nature à assurer la confiance des citoyens à l'égard des dispositifs mis en place par les autorités publiques. Madame Chabert a souligné que le présent accord de coopération a été négocié au sein de la conférence interministérielle santé publique. Elle souligne le rôle clé du comité de sécurité d'information, notamment pour fixer adéquatement les conditions d'échange des données. Son groupe plaide aujourd'hui en faveur d'une évaluation régulière du dispositif et sera attentif au contenu de l'accord de coopération d'exécution. De heer Juan Benjumea Moreno wijst erop dat
als het gaat om preventieve gezondheidsbeleid, burgemeesters en gemeenten ook verantwoordelijkheid hebben om de verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen. Krijgen burgemeesters en gemeenten toegang tot de databanken? Op welke wijze zal dit samenwerkingsakkoord ten uitvoer worden gelegd? Ikzelf benadrukte de noodzaak van een meer omvattende reflectie over de werking van persoonsgegevens. Zulke gegevens mogen nooit in verkeerde handen vallen. Hopelijk doen we met deze databank ook nuttige ervaringen op voor gezondheidsbeleid in de toekomst. Betreffend het volgen van daklozen, vluchtelingen of personen zonder papieren, heb ik me geschaard achter de vragen van mijn collega's. De antwoorden van meneer Vervoort. In zijn repliek merkte hij op dat het samenwerkingsakkoord op heel korte tijd is behandeld en in de rechtsorde opgenomen. Tussen de start van de onderhandelingen vlak voor de zomer en de goedkeuring van de verschillende betrokken assemblées zijn maar enkele maanden verlopen. Normaal is de doorlooptijd meer dan een jaar, maar er was haast bij. Toch heeft de gezondheidscrisis het vertrouwen van de heer Vervoort in de openbare instellingen versterkt. Contact tracing is noodzakelijk en Cienzano is een betrouwbare partner. Ze leeft het opgelegde regelgevingskader strikt na en verspreidt alleen de gegevens en informatie die ze mag verspreiden. Passende technische en organisatorische maatregelen waarborgen een hoog beveiligingsniveau. Het pseudonymiseren van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de nieuwe definitie uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De aard van de verzamelde gegevens werd bepaald volgens het advies van de experts. De gegevenswissing en het inzagerecht betreffende deze gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de afgevaardigde voor de gegevensbescherming, AGB, van de instelling die verantwoordelijk is voor de verwerking van die gegevens. Er wordt al veel werk verzet via manuele opvolging van contacten. De heer Vervoort vermeldt dat de app effectief zal zijn als 15% van de bevolking er gebruik van maakt. Er komt een interfederale communicatiestrategie om dat cijfer te bereiken. Met in Brussel een digitale postercampagne in de metro, 4 weken affiches op bussen en trams, tv's, spots, inserts in de Brusselse digitale media en kranten enzovoort. De overheidsopdracht betreffende de mobiele app Corona Alert onder leiding van de federale overheid werd binnengehaald door de firma DevSite. Brussel draagt €60.000 bij voor de communicatie. De verdeling tussen de deelstaten van de kosten van de app kunt u ook in het verslag lezen. Burgemeesters hebben geen toegang tot de gegevens die in het kader van de contactopvolging worden verzameld. Er vinden wel regelmatig vergaderingen plaats tussen de burgemeesters en de hoge ambtenaar in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de GGC om alles goed op te volgen. De situatie evolueert van dag tot dag, van wijk tot wijk. Personen die geen identificatienummer hebben in het Rijksregister bevinden zich in een bijzondere situatie. Voor hen wordt een BIS-nummer gecreëerd. Pseudonymisering werd verkozen boven anonymisering op verzoek van de experts. 14 september 2020 is de datum waarop de mobiele toepassing werd gestart. Het ontwerp van de impactanalyse werd opgemaakt en onderworpen aan het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De GBA maakte opmerkingen. Zowel de impactanalyses als het advies van de GBA zullen omstreeks 18 september gepubliceerd worden. En tot slot, het gehele ontwerp van ordonnantie werd aangenomen met 12 stemmen bij 3 onthoudingen. Dank u, mevrouw Rochette, voor uw uitstekende rapport. Avant de céder la parole aux collègues qui le souhaitent et puis à monsieur le ministre, je dois d'abord excuser à la séance plénière de ce mardi madame Lahanan, monsieur Chaïd, monsieur Vervoort, Madame Elisa Gropi et M. Jean-Pierre Kerkhoff, qui sont en commission au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, M. Pierre Compagnie, Mme Frémaux, Mme Casadi, Mme Lefranc, M. Mampaka, M. Gilles Verstraten, Mme Benamou, Mme Tracht et M. Fouad Haïdar. Voilà. Je cède à présent la parole aux collègues qui le souhaitent. J'ai vu Mme Viviane Teitelbaum, qui souhaitait intervenir pour le groupe MR. Je lui cède bien volontiers la parole. Vous pouvez venir ici. Ensuite, ce sera la NVA, le PS, Groen, le PTB, puis le Belang. Oui, je continue. J'ai commencé les 5 premiers. Vous avez la parole, Madame Teitelbaum. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, toutes nos félicitations. Bon retour parmi nous. Chers collègues, comme nous l'avons dit en commission, la crise sanitaire que nous vivons appelle des mesures exceptionnelles et cette situation implique que des décisions importantes que jamais nous n'aurions pu penser prendre, en fait, soient effectivement prises à tous les niveaux afin d'assurer au maximum la protection et la sécurité des citoyennes et des citoyens dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Alors, ça implique de facto que des mesures exceptionnelles soient mises en œuvre afin d'assurer cette protection. Cependant, pour beaucoup de citoyennes et citoyens, celles-ci sont vécues comme une menace à l'un de leurs droits fondamentaux, qui est celui de la protection de leur vie privée. OMR, on se veut constructif sur ce point, puisque à maintes reprises, tant dans l'accord de coopération en lui-même que dans l'exposé général, il est spécifié que toutes les données à caractère personnel qui seront collectées et traitées dans le cadre de l'accord de coopération le seront conformément aux réglementations relatives au RGPD et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ce qui devrait bien évidemment pouvoir lever de nombreuses inquiétudes de nos concitoyennes et concitoyens à l'égard de cette application. Il nous semble toutefois essentiel qu'un énorme travail d'information et de sensibilisation soit fait parallèlement à la mise à disposition de cette application. En effet, pour que le système puisse fonctionner et effectivement protéger la population, un taux de couverture minimum est nécessaire. Le ministre président, lors de la commission, mentionnait un taux de 15%. Et expliquait que pour l'atteindre, une campagne d'affichage digital dans le métro, bus, tram, mais aussi des publicités dans les journaux et sur les réseaux sociaux serait réalisée. Au vu de l'importance de cette mesure et pour qu'elle soit fonctionnelle, OMR, on estime qu'il est essentiel que cette publicité et communication soient assorties d'une information transparente et claire sur l'usage qui sera fait de ces données, sur les lois qui encadrent leur traitement, afin de rassurer réellement et effectivement la population à cet égard. À ce sujet, certaines de mes questions étaient restées sans réponse en commission, comme par exemple, je demandais au ministre-président à qui revenait la responsabilité du contrôle et de la gestion de la base de données 5 qui concerne l'application mobile. En effet, on a compris que le traitement de la base de données 1 et 2 sont à charge de Cienzano, donc du fédéral, que la responsabilité du traitement de base des données 3 et 4 à charge des entités fédérées, mais on ne sait toujours pas qu'en est-il du contrôle et de la gestion des données, en fait, qui est compétent par rapport à ça. Dans la mesure où il est stipulé à la page 61 que l'autorité fédérale peut imposer aux professionnels et professionnelles de la santé par dérogation au principe du secret professionnel l'obligation d'introduire les données requises dans la base de données centrale, on aurait aussi aimé savoir quels seront les outils mis à disposition de la première ligne pour qu'ils puissent assurer avec plus de facilité cette tâche. Quid des ressources, des personnes ressources et de l'étendue de cette dérogation par rapport au secret médical. Et ça, le ministre-président, en fait, a répondu qu'il ne savait pas. Donc, monsieur le ministre, il reste... Excusez-moi juste, donc ce oui. sont des dérogations... Oui, donc il y a la dérogation au secret professionnel par oui. rapport à l'introduction des dans la base de données. Dans la base de données. Et donc... En fait, pour que la première ligne ne soit pas surchargée par rapport à ça, on pourrait avoir des personnes ressources, finalement bénévoles ou non, qui viennent aider. Mais alors, quid de l'étendue de ce secret professionnel, parce que cette dérogation s'applique-t-elle alors ou pas? Et puis, il restait la dernière question concernant la date de mise à disposition de cette application. Le ministre-président avait bien confirmé que ce serait le 14 septembre, mais comme de nombreuses citoyennes et citoyens, j'ai alors cherché l'application, mais je ne l'ai pas trouvée. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais pas trouver l'application, mais... Ça voudrait dire que beaucoup ne la trouveraient pas, ou alors elle n'est toujours pas mise en application, et peut-être s'agissait-il d'une phase test, mais moi, ma question portait sur le lancement effectif, et donc est-ce qu'on pourrait alors connaître la date réelle de mise en application
de cette application Corona Alert. Et donc, malgré certaines encore imprécisions et réticences, il nous semblait quand même important de soutenir cet accord de coopération et l'EMR a voté pour en commission, votera pour ici aussi. Merci beaucoup. Merci Madame Teitelbaum. Je cède à présent et geef nu het woord aan mevrouw Siltje-Vanacker voor de N-VA-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil voor eerst de rapporteur danken voor haar rapport. Ze heeft uitgebreid gerapporteerd over wat er gezegd is in de commissie, dus ik ga daar niet op ingaan. Verder op dat aspect, wat we al gezegd hebben, bijvoorbeeld dat uiteraard het respecteren van de privacy essentieel is. Dat is echt primordiaal, maar dat heeft zij ook duidelijk gezegd. Maar één aspect heeft ze niet belicht en daar wil ik toch nog even bij stilstaan. En dat is dat de Raad van State heeft opgemerkt dat de Franse gemeenschap en de COCOF deel hadden moeten zijn van dit samenwerkingsakkoord. Ik ga niet spreken over de Franse gemeenschap, maar voor de COCOF hebben we dan vernomen dat zij wel deel zijn van dit akkoord, maar zich laten vertegenwoordigen door de GGC, onze gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. En ja, of dat kan, wettelijk, betwijfel ik, maar ik vind het ook verontrustend. Maar verbazen doet het ons allerminst. Het is al langer duidelijk dat de COCOF de inkanteling van zijn bevoegdheden in de GGC voorbereidt. Het zou misschien ook verklaren waarom GGC-collegelid Maron en COCOF-voorzitter Trachten een kabinet delen op die materie. En het is wel de eerste keer, denk ik, dat de COCOF dit ook zo openlijk zegt. En ik weet niet of dat een goede evolutie is. We hebben het ook gezien met het thema rond huiselijk geweld. Dat is iets helemaal anders, waar dat helemaal de Franstalige kaart getrokken wordt en dan uiteindelijk een tweede taskforce moet opgericht, omdat er ook nog Vlamingen zijn. En het is des te jammer ook, vind ik, dat minister Maron zich tijdens de commissievergadering van 10 september liet vervangen door minister-president Vervoort en niet door zijn Nederlandstalige collega, die wel de bevoegdheid heeft gezondheid en welzijn. En dus dat is perfect, had eventueel kunnen vervangen, collegelid natuurlijk Van den Brand. Bon, dat waren mijn opmerkingen. Uiteraard gaan wij dit samenwerkingsakkoord steunen. We hebben dat in commissie gedaan en we zullen dat vandaag ook doen. Dank u, mevrouw Van Achter. Je cède à présent la parole à madame Chabert pour le groupe socialiste. Oui, merci, monsieur le président. Alors, en effet, nous avons eu des débats importants dans la commission santé avec le ministre-président au nom du ministre Maron, que nous félicitons également ici. Et lors de ce débat, comme l'a expliqué Else Rochette, qui a fait un excellent rapport, que je remercie, le ministre-président nous a présenté les grands enjeux de cet accord de coopération. Et en effet, ils ne sont pas minces, on l'a vu dans le rapport. Et on imagine bien à la lecture du texte tout le travail réalisé pour aboutir à cet accord et surtout les nombreuses questions juridiques qu'il pose, notamment en matière de protection des données, mais je vais y revenir. Alors, je le disais, ma collègue Rochette, dans son rapport, a signalé que, oui, cet accord est nécessaire, c'est comme ça, mais il soulève des questions reprises en partie dans le rapport qui vient d'être exposé. Mais je voudrais revenir rapidement sur quelques-uns de ces points. Alors, d'abord, on peut voir dans ce texte, quand même un peu ardu, il faut reconnaître, l'intention du Collège réuni, et je voulais le souligner, de nous éclairer, nous ici les parlementaires, mais aussi les citoyens et les citoyennes, sur ces enjeux dont je le disais, qui sont importants et qui vont avoir des conséquences dans leur vie quotidienne. Et puis parce que derrière ces questions juridiques assez pointues, il faut avoir à l'esprit que pour beaucoup de ces citoyens et de ces citoyennes, ce qui est décidé dans cet accord, ce sont des mesures vécues comme attentatoires à certaines libertés fondamentales, comme notamment celle du respect de la vie privée. Et on sait à quel point les citoyens sont sensibles, à juste titre, je pense, sur ces questions. Alors, pour les rassurer, il faut, selon nous, deux choses. D'abord, que les dispositions soient claires, qu'elles soient précises et transparentes. Et puis aussi, il faut que les finalités de la récolte des données soient aussi explicites, légitimes et limitées. C'est d'ailleurs ce que recommande l'autorité des protections des données. Alors, sur ces matières délicates, le groupe socialiste insiste sur l'importance des principes de lisibilité, de prévisibilité et de proportionnalité.
Alors, personne ici pourra contester le fait que le texte qui est soumis à notre approbation veille au respect des recommandations du Conseil d'État et de la Haute Autorité pour la protection des données. Nous en sommes satisfaits, évidemment. Il faut signaler aussi le rôle clé donné au comité de sécurité de l'information qui va jouer un rôle actif dans l'adaptation des catégories de données pour rendre ce traçage efficace, mais aussi, et c'est important, qui va fixer les conditions d'échange de ces données. Ce qui, on l'a vu, est essentiel en matière de données personnelles, encore plus quand on parle de données qui ont lié à la santé, où il est essentiel de veiller au respect du secret professionnel. Et c'est ça qui est compliqué, mais vraiment fondamental, c'est de trouver cet équilibre entre une attention portée aux questions de santé, mais aussi à la protection de la vie privée, à la sécurité et à la liberté de nos concitoyens et concitoyennes. Alors, nous avons en commission exprimé nos réserves concernant l'utilisation d'une application électronique. Le projet avance. Vous avez annoncé, Monsieur le Ministre, la date de mise en service. Nous comprenons bien pourquoi ce projet avance. Et à ce stade, comme le disait ma collègue Else Rochette, nous soulignons l'importance d'une évaluation régulière de ce processus. Et nous serons aussi attentifs à sa mise en œuvre concrète, en lien évidemment avec le respect de l'accord de coopération qui nous occupe aujourd'hui. Et j'insiste vraiment sur les évaluations régulières. Je voudrais par contre prendre ici quelques instants très courts et quand même essayer de passer à un autre niveau de réflexion plus élargi, mais qu'on ne doit pas oublier, nous semble-t-il, dans les impératifs dictés par la gestion de l'urgence. Le groupe socialiste pense que les enjeux relatifs à l'utilisation des données personnelles renvoient au fond à des questions d'éthique, et qu'on ne parle pas assez de ces questions d'éthique. Des questions d'éthique sur comment, collectivement, nous souhaitons organiser notre sécurité à tous, tout en protégeant davantage les plus vulnérables. Et puis aussi des questions sur nos libertés individuelles et collectives, des libertés fondamentales qui sont mises à rude épreuve par notre modernité. Alors avec mon groupe, nous pensons que ces questions ont toute leur place dans notre Parlement. Le gouvernement a sa temporalité, celle de la gestion. Nous en avons une autre, complémentaire mais nécessaire au pouvoir exécutif, pour lui permettre, je pense, de garder le cap et de ne pas laisser l'action publique se noyer sous le poids des contingences. Alors, pour conclure et revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais dire que, comme tout compromis, puisque cet accord est un compromis, l'accord de coopération qui nous occupe aujourd'hui n'est pas parfait, c'est vrai, et mon groupe ne cautionne pas certains aspects. Mais le suivi des personnes infectées nécessite notre soutien à ce texte, et c'est pourquoi nous vous apportons notre soutien. Je vous remercie. Merci, Madame Chabert. Je cède à présent la parole, qui est venue au tour d'Anne. De Groenfractie, meneer Verstraeten, u hebt het woord. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eerst en vooral bedank ik de verslaggever voor het uitstekende verslag, waardoor het niet nodig is, ook voor ons, om alles te herhalen wat gezegd is in de commissie. Ik denk, in essentie komt het erop neer dat we willen een efficiënte manier hebben om de gezondheid te beschermen van de burgers in deze coronacrisis en tegelijk een minimale druk zetten op het dagelijkse leven, op de privacy, op de veiligheid enzovoort. En ik denk dat gezien de omstandigheden en gezien de snelheid waarmee het moest gebeuren en gezien ook de complexiteit van het overleg dat moet georganiseerd worden, dat dit goed gedaan is door degenen die hier de pen hebben vastgehouden. Het is inderdaad niet perfect, maar het is zeker goed werk waarmee we vooruit kunnen en dat wij dus voluit steunen. In verband met de bezorgdheid die geuit is door de N-VA-fractie of het onbegrip over hoe de zaken nu georganiseerd zijn op niveau van de GGC, ik denk dat het goed is om er nog eens aan te herinneren. Het is al vaak gedaan, maar toch, ik heb het toch al vaak zo gehoord, dit is minister Maron die de bevoegdheid opneemt voor de GGC. Dat heeft als voordeel dat het efficiënt kan gebeuren, zeker in tijden van een crisis, door één persoon, één kabinet, één centrale aansturing. Ik verwijs daarbij ook naar de aanklacht van velen, ook experts, maar ook burgers, over de absurditeit van het aantal gezondheidsministers dat bevoegd is in dit land voor die materie. Dus ik denk dat het een positieve zaak is dat deze regering kiest voor efficiëntie, voor daadkracht. En ik denk dat daarbij belangrijk is dat het er een duidelijk programma is, een duidelijk engagement, dat kan gevolgd worden hier in het parlement. En dat is zo. En dat is hetgeen dat telt. Het is niet de taalrol van de minister die ertoe doet, denk ik.
Dus dat is wat mij betreft ons inzicht daarop, maar dus in elk geval, wij gaan deze ordonnantie, meneer de voorzitter, steunen. Dank u, meneer Verstraeten. Je cède à présent la parole au groupe PTB. Madame Koplovitch, vous avez la parole. Une petite seconde, juste une petite intervention. Vous souhaitez réagir parce qu'il vous a cité. Vous avez la parole. Deux secondes. En fait, d'or parce qu'il a. Meneer Verstraeten opent nog een andere discussie. Hè. Mijn punt is, de Raad van State zegt, Kokov is bevoegd. Kokov moet deelnemen en Kokov laat zich vertegenwoordigen door de GGC. Dat is nog een andere discussie. Wat ik wel gezegd heb, is, als meneer Maron afwezig is, moet hij zich natuurlijk laten vervangen. Hij mag waarschijnlijk kiezen door wie zich laat vervangen. Hij heeft zich laten vervangen door de minister-president. Ik zeg, we hebben nog een bevoegde minister. En dat jullie net daar de efficiëntieoefening zien voor heel Brussel. Allee, dat vind ik een beetje kort door de bocht. Vooral omdat ik vrees dat de belangen van de Vlamingen of de Vlaamse ziekenhuizen, hoe lang heeft het geduurd om UZ Brussel en zo te betrekken, gewoon niet vertegenwoordigd zijn op die manier. Dus, maar dat is een andere discussie. Mijn discussie vandaag gaat over de Kokov en die inkanteling in de GGC die hier aan het doorvoeren is. En die duidelijk het Franstalig beleid op zich naar elkaar. Dat is de efficiëntieoefening eigenlijk. En waar is dan de Vlaamse poot hierin? Bon, dat is mijn vraag. Ok, de toute façon, le ministre évoquera également ces questions. Madame Koplovitch, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le président. Bon, mais je vais intervenir un peu dans le sens de ce qui avait déjà été dit en commission, évidemment. Mais comme monsieur Maron, que je félicite, puisqu'il semble qu'il y a de quoi, n'était pas là. Tout le monde l'a fait, du coup, je ne veux pas être celle qui ne dit rien, vous voyez. C'est beau, cette sincérité. C'est comme ça. comme en commission, tout à l'heure, nous abstiendrons sur ce texte pour les raisons que je voudrais expliquer ici. Donc, bien sûr, on veut d'abord souligner que pour nous, la recherche de contact est vraiment un élément essentiel de cette lutte contre l'épidémie. Et donc, ce n'est pas pour rien aussi, comme j'avais expliqué en commission, que nos centres médicaux de médecine pour le peuple ont eux-mêmes mis en place un système de recherche locale de contact. On voit que ça fonctionne très bien parce qu'on voit qu'il y a aussi encore un certain nombre de problèmes au niveau de la recherche des contacts centralisés. Donc pour nous, ces problèmes résident en partie dans le fait que cette recherche est justement centralisée et qu'au contraire, il faut une bonne connaissance du terrain et une confiance importante pour arriver à avoir des résultats efficaces dans cette recherche de contact. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on insiste encore ici sur l'importance de la coopération avec la première ligne. Et on le voyait encore, les médecins généralistes et tous les aspects de première ligne disent aujourd'hui qu'ils sont dépassés. Et donc c'est très important de garder ces préoccupations en tête. Pour ce qui concerne cet accord de coopération lui-même, donc on combine deux choses ici, un cadre juridique pour une base de données centrale de Sensano et le cadre juridique pour l'application Corona. Donc on a un peu deux avis différents là-dessus. Donc pour l'application Corona, on va être assez bref. Donc nous, on ne pense pas qu'une application va contribuer à améliorer la recherche de contact. On l'a vu, on l'a dit aussi en commission. Dans les autres pays où ça a été installé, ça n'a vraiment pas prouvé son efficacité. En France, par exemple, peu de gens l'avaient installé et parmi ces peu de gens, ces 6%, je pense déjà plus de 3/4 l'ont désinstallé et ça a permis sur le mois de juillet-août de détecter 8 cas. Donc on ne peut pas dire que le bénéfice soit vraiment, vraiment important. Donc voilà. Et pour nous, donc, non seulement ça n'a pas fait ses preuves, mais ça comporte aussi toute une série de dangers démocratiques et, sur lesquels on veut vraiment attirer l'attention. Et donc, bien sûr, la technologie doit aider à soutenir la lutte contre le virus, mais elle doit être au service des travailleurs de terrain et pas pour remplacer le contact humain qui, on l'a déjà dit, est primordial dans cette lutte. Pour ce qui est de la base de données centrale plus classique, donc le premier projet avait été beaucoup critiqué par Amnesty, la Ligue des droits humains. Donc, il y a eu des modifications, des améliorations, et donc ça, c'est bien. Mais d'autres améliorations n'ont pas été apportées, donc on n'est quand même pas encore complètement rassurés sur le fait que le droit à la vie privée soit suffisamment protégé dans cet accord de coopération. Et donc, nous, on a encore quelques questions qui restent et qui fait que, voilà, on a une réserve par rapport à ce texte. Il y a toujours cette histoire de suppression automatique des données. Donc ici, c'est 4 semaines qui devraient être plus que suffisantes. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est encore avec ces 60 jours dans le texte? On ne comprend toujours pas. Donc, Monsieur Vervoort a essayé de me l'expliquer l'autre fois, mais ce n'était pas très convaincant. Dans l'article 13, on dit aussi, on parle des mesures de sécurité. On dit, je cite, « Les responsables du traitement prennent des mesures ».
Bon, pour nous, c'est vraiment pas concret. Hein. Quelles mesures, qui les prend, pour garantir quoi, qui contrôle. L'accord de coopération donne aussi un pouvoir décisionnel à la Chambre de la Sécurité sociale et de la Santé du Comité de sécurité de l'information. Donc, de nouveau, quelles sont exactement les décisions qui sont autorisées à prendre? Comment est-ce qu'on va exercer un contrôle démocratique? Compte tenu de la sensibilité de ces données collectées, pardon, il est vraiment important pour nous qu'il y ait une plus grande transparence sur ce qu'il advient de ces données, sur les personnes qui ont accès. Encore une remarque, les données de la base de données 2, hein, donc la base de données pour la recherche scientifique, elles ne vont finalement être que pseudonymisées, pas anonymisées, donc il y a aussi eu tout un débat là-dessus en commission, et nous ne sommes pas encore convaincus par les explications, donc la pseudonymisation, elle permet encore qu'on peut retracer l'identité des données et peuvent être conservées beaucoup, donc pour une période beaucoup plus longue, hein, donc encore dans 10 ans, on pourra récupérer toute une série de données à caractère personnel qui se trouvent là-dedans, et donc voilà, les explications qui avaient été encore une fois données par M. Vervaux pour moi sont trop floues et sont pas rassurantes. Et donc je veux juste terminer en disant que cet accord de coopération, en fait, c'est aussi une douloureuse illustration de tout ce fouillis institutionnel et toute cette cacophonie à laquelle on a assisté pendant toute la crise et qui continue encore dans cette histoire de recherche de contact. Donc au total, on a dû créer 5 bases de données, chacun a son propre responsable de traitement. Et ça nous inquiète aussi sur la manière dont les citoyens peuvent demander des explications, avoir un point de contact unique, ce que nous demandons et qui n'est pas dans le texte non plus. Donc qu'est-ce qui se passe quand les citoyens ont des plaintes, ont des questions? Tout ça est beaucoup trop éclaté, mais voilà, ça montre encore l'absurdité de ce tout petit pays et c'est beaucoup trop de niveaux de pouvoir, c'est 9000 de la santé, etc., etc. Mais donc voilà, pour toutes ces raisons, et malgré, je répète, la grande attention que nous apportons à l'importance de cette recherche de contact au niveau de la première ligne, nous allons nous abstenir sur ce texte tout à l'heure. Merci, Madame Koplovitch-Nu, Jefigrach, Tourte, Anne-Menier, Dominique Lotens, Vorde, Belangfractie. Dank u, meneer de voorzitter. Vlaams Belang heeft heel wat bedenkingen bij het voorliggende ontwerp van ordonnantie. Los van de hoeveelheid van gegevens die wordt verzameld en de vraag die men zich kan stellen bij het nut hiervan, moeten we zeggen dat dat soort initiatieven en verzamelen van gegevens meestal goed bedoeld is, wat hier ook het geval is natuurlijk, maar dat anderzijds toch altijd de deur op een kier staat voor al dan niet gewilde misbruiken. Hoe zit het met de technische veiligheid van het hele gebeuren? Zijn er garanties dat de gegevens zullen gewist worden wanneer ze moeten gewist worden? Zijn er garanties dat eventuele kopieën gewist worden wanneer ze moeten gewist worden? Hoe zit het met de veiligheid van het wetenschappelijk onderzoek dat zal gevoerd worden met deze gegevens? We zijn uiteraard voorstander van elke vorm van wetenschappelijk onderzoek, maar de veiligheid van de gegevens en de bescherming van de privacy is in deze toch ook wel van primordiaal belang. En welke garanties bestaan er dus dat deze gegevens veilig zijn? Dus kortom, denk ik dat er wat vragen te stellen zijn bij de noodzaak, maar vooral ook bij de evenredigheid van het opzet. En vandaar dat wij het ontwerp zoals het nu voor ligt niet kunnen steunen. Dank u, meneer Lotens. Je cède à présent la parole à Magali Plovy pour le groupe Écolo. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, alors le consensus qui prévaut au sein de la communauté scientifique est clair. Dans l'état actuel de nos connaissances sur ce nouveau coronavirus et en l'absence d'un vaccin ou d'un traitement efficace, la sensibilisation de la population, le dépistage, la mise en quarantaine des malades sont des éléments fondamentaux pour lutter actuellement contre ce virus. Un autre moyen aussi a été mis en place par les gouvernements et qui sont recommandés par les scientifiques, c'est le suivi des contacts, dont l'intérêt est de pouvoir avoir un contact humain permettant aux personnes potentiellement contaminées de se faire tester, tout en ayant un suivi humain. Et ça, je pense que vraiment, il y a eu cette attention au niveau de Bruxelles, cet accompagnement humain de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir sensibiliser la population. Et donc, c'est bien cet accord de coopération qui nous est présenté et qui vise à répondre à ça. Alors, cet accord de coopération, donc, il permet d'un côté le déploiement d'outils de suivi de contact
afin d'empêcher la propagation de l'épidémie, et d'un autre côté, de donner un cadre juridique pour les limitations des libertés fondamentales de nos concitoyens et concitoyennes et les ingérences dans leur vie privée. C'est bien tout l'objectif poursuivi par cet accord, un objectif de prévention, empêcher la propagation de l'épidémie, de responsabilisation des citoyens, et ne doit être en aucun cas un outil de coercition ni de contrôle de la population par les autorités. Et c'est bien dans cet objectif précis que le groupe écolo soutiendra cet accord de coopération. Alors j'aimerais insister à quel point le moment que nous vivons dans notre histoire est singulier, à quel point les enjeux sont cruciaux et appellent à notre plus grande vigilance. On a rarement mis en place dans un état de droit tel que le nôtre des dispositifs aussi importants de collecte de données, d'ingérence dans la vie privée à une si large échelle. À tout moment, nous devons examiner donc si cette ingérence ou si ces limitations de liberté sont nécessaires et proportionnées à l'objectif qu'elle poursuit et si elles sont encadrées par une norme suffisamment claire et précise dont l'application est prévisible pour les personnes concernées. C'est bien là que ce que dit la Commission de la vie privée, et donc je rappelle juste ce que la législation et la jurisprudence nous dit. Et donc c'est un équilibre qui est recherché, c'est clairement ça qu'on voit, qui est recherché dans cet accord de coopération. Je l'avais déjà dit en commission, c'est un équilibre qui est subtil. Certains iront plus dans le sens de la prévention par rapport à notre santé, et d'autres iront peut-être plus dans la protection des libertés et de la vie privée. Et donc, c'est clair que pour les négociateurs, c'est difficile de trouver cet équilibre. Et j'estime qu'ici, on voit clairement qu'il y a des balises pour la protection des libertés et de la vie privée. Mais nous savons aussi que cet équilibre est discuté par certains. Alors, comme je disais, des balises ont été prévues dans le texte, mais que cela ne nous dispense pas de vérifier à tout moment, et j'insiste sur le « à tout moment », si cet équilibre est respecté vu l'évolution de la situation. Mais aussi par la suite, il sera important de vérifier si les mesures adoptées étaient adaptées au regard de cet équilibre, notamment par rapport à l'enjeu de la conservation et l'effacement des données. C'est pour cette raison qu'une évaluation en continu et a posteriori est indispensable pour déterminer si l'équilibre recherché a bel et bien été atteint ou si l'on a été trop loin ou pas assez loin à certains moments. Il aurait été intéressant de prévoir cette évaluation dans l'accord de coopération, mais je pense qu'il est tout à fait possible de prévoir, en dehors de cet accord de coopération, une évaluation qui puisse être menée par les services de la COCOM. Je l'avais déjà dit lors de la commission et je ne doute pas que vous serez vigilants à cet aspect. Alors, en dehors de cet accord de coopération, concernant la centralisation des données et de leur traitement, de nombreuses réactions ont été déjà entendues par rapport à toute l'organisation des traitements de données au niveau de la Belgique. Et c'est vrai que d'une manière générale, il y a des questions qui se posent, que ce soit sur le traitement des données, leur récolte, les échanges des données, leur utilisation pour la recherche, le stockage. C'est un travail qui doit être mené et qui est mené au niveau du fédéral, mais si j'en parle ici, c'est parce que je pense que les régions ont un rôle à jouer en partenariat avec l'État fédéral dans cette analyse pour l'amélioration de la récolte et le traitement des données par rapport aux capacités des recherches, par rapport à toutes ces questions liées à la vie privée et aux usages aussi commerciaux. Alors j'en reviens à ce que je disais au début de mon intervention. Nous vivons un moment particulièrement singulier qui appelle à notre plus grande vigilance et transparence, qui est un principe fondamental dans notre état de droit. Si nous voulons obtenir la confiance des citoyens et des citoyennes et leur adhésion aux mesures mises en place, nous devons nous assurer de la transparence de ces dispositifs, et c'est vrai, comme l'a dit ma collègue Alice Rochette, je l'avais dit en commission, notamment la transparence des marchés publics et de leur octroi. Mais évidemment, pas que de ça. On parle aussi des commissions qui prennent des décisions ou qui rendent des avis par rapport à la transparence de leur composition. Donc, c'est vrai que la question de la transparence est vraiment fondamentale. Alors, je peux tout à fait aller dans le sens des réflexions de ma collègue Delphine Chabert concernant la nécessité d'avoir un débat sur l'éthique, sur les libertés, sur les questionnements que cette crise lève. Et c'est bien au sein de ce Parlement, que ce soit la COCOM,
Parlement COCOM, Parlement Région, Parlement de la COCOF, que nous devrons les mener, et je ne doute pas que dans les prochaines semaines, nous aurons et nous prendrons le temps de pouvoir mener ces réflexions. Alors, je fais une toute dernière demande. Je l'avais fait au ministre-président de l'art de la Commission. Je réitère ma demande auprès de vous, monsieur le ministre. Pour le groupe Écolo, il est important que dans les concertations avec les autres entités fédérées et l'autorité fédérale, vous puissiez porter ces considérations d'évaluation et de transparence. Je vous remercie. Merci, Madame Plovy. Je cède à présent la parole à Khadija Zamouri pour Open VLD, de Open VLD Fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook vanuit de Open VLD-fractie wil ik collega Rochette bedanken voor het perfect gebrachte verslag. De ordonnantie die ook uitvoerig besproken werd tijdens de commissie. We zijn ook verheugd als fractie over het kader dat het samenwerkingsakkoord van 25 augustus biedt voor een gezamenlijke en een gecoördineerde uitoefening van deze exclusieve bevoegdheden van de federale staat en de gefedereerde entiteiten. Met het oog natuurlijk op een efficiënte en veilige verwerking van de gegevens. Die worden verzameld voor contactonderzoek. Zoals verschillende collega's ook hebben gezegd en toen ook tijdens de commissie, is dat een grote zorg bij heel veel burgers. En het leidt ook geen twijfel dat de bezorgdheden van deze burgers gaat over de bescherming van hun persoonsgegevens. En dat dat dikwijls een efficiënt contactonderzoek in de weg staat. Nu, via het opsporings- en contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de COVID-epidemie worden een veelheid van informatie van burgers opgeslagen, zoals hier door verschillende collega's ook gezegd is geweest en ook in de commissie. Nu, met deze ordonnantie zullen we ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens enerzijds op een conforme, private en veilige wijze worden opgeslagen. En anderzijds op een gecoördineerde en transparante wijze verwerkt worden en gebruikt worden in de strijd tegen deze epidemie. Voor onze fractie is het van fundamenteel belang dat alle Brusselse burgers, meneer de minister, op een heldere, transparante en doelgerichte manier geïnformeerd worden. Niet iedereen gaat op het internet consulteren van hoe en wat. En niet iedereen kan dat, niet iedereen heeft daar de capaciteiten of de mogelijkheden voor. En niet iedereen begrijpt dat, zeker in ons gewest. Hoe die persoonsgegevens door de verschillende gegevensbanken worden bijgehouden, hoe lang en waar deze opgeslagen worden. En wanneer deze vernietigd worden. En voor welke doeleinden deze gebruikt worden. En ook wie er toegang heeft. Al de personen die toegang hebben tot deze gegevens. De vraag voor ons, meneer de minister, is hoe gaat u deze informatie brengen tot bij elke Brusselaar? Ik dank u alvast voor uw aandacht. Dank u, meneer Zamouri. Je cède à présent la parole à M. Emmanuel Deboc pour le groupe Défi. Oui, c'était Marie Nagy qui a été en commission. Est-ce que Marie Nagy nous entend? Voilà. Et sinon, je m'en réfère à ce qu'elle avait dit en commission. Si Marie Nagy est parmi nous, je l'invite à prendre la parole. Sinon. Alors, on va s'en référer à ce qu'elle avait été excellemment dit et qui a été repris notamment par mes excellents collègues. Je vous remercie. Tout à fait. Alors, je cède à présent la parole à Madame Rochette pour le groupe One Brussels SPA. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De One Brussels SPA-fractie steunt dit ontwerp van ordonnantie. Want een goede samenwerking tussen de verschillende entiteiten is cruciaal voor het welslagen van de contact tracing en het indijken van de coronapandemie. De gezondheid van al de Belgen, dus ook de Brusselaars, hangt ervan af.
De voorwaarden voor de verschillende gegevensbanken worden goed uitgelegd in de overeenkomst, maar de garanties voor het opvolgen van de privacy kunnen niet groot genoeg zijn. Voor onze fractie is duidelijkheid en transparantie heel belangrijk en we sturen ook aan op een permanente evaluatie en de mogelijkheid om bij te sturen als het nodig blijkt. De communicatie over de contact tracing is cruciaal. Dat is ook meermaals in de commissie benadrukt. En persoonlijk heb ik hierover nog niets gezien, dus ik vraag me af of hiermee reeds gestart is. Tot slot wil ik ook benadrukken dat we de meest kwetsbaren in onze stad niet mogen vergeten. Ik denk aan ouderen bijvoorbeeld die geen smartphone hebben. Ik ken er verschillende. Mensen die niet aangesloten zijn bij een ziekenfonds enzovoort. Maar we steunen uiteraard deze samenwerkingsovereenkomst. Dank u wel. Dank u, mevrouw Rochette. Meneer Pepin-Kennis. Non, excusez-moi. Monsieur Debeuquelard. Il était en pleine discussion. En parlant de transfert, monsieur le ministre, on voudrait, au nom du groupe CDH, puisqu'on a quand même, d'une manière plus ou moins lointaine, un peu contribué à cet heureux événement, puisque la maman, si je ne me trompe pas, est passée par, par un de nos cabinets. Ou par, voilà. Mais donc, franchement, on voulait vous féliciter pour ça. Et pour le dossier qui nous concerne ici, on a Madame Frémaux, qui n'est pas là aujourd'hui, a pu exprimer en commission toute une série de réserves sur le texte et ça avait justifié son vote de l'abstention. Mais on comptait ici, suite à l'évolution de la situation et du dossier, voter pour avec une abstention. Mais vu la situation un peu particulière de mon groupe aujourd'hui, je vais donc voter pour qu'on puisse avancer et soutenir ce texte proposé par le gouvernement et pouvoir en effet avoir le système de tracing le plus efficace possible, même si, et certains collègues en ont parlé encore aujourd'hui, certaines réserves restent et c'est un texte important qui pose des questions éthiques, qui pose des questions de sécurité, mais pour nous l'urgence aujourd'hui est d'avancer. Parfait, merci monsieur de Beuquelard. Nu geef ik graag het woord aan mevrouw Bianca de Bats voor de CD&V-fractie. U hebt het woord, mevrouw de Bats. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik denk dat we het er kunnen over eens zijn. U zal dat misschien ook wel toegeven. Est-ce que ceux qui nous écoutent à distance peuvent juste vérifier qu'ils ont bien coupé leur micro, parce qu'on a un retour dans l'hémicycle, et c'est assez gênant pour l'oratrice. Merci. Ja, kan ik verder gaan. Dat deze tekst, daar wou ik toe komen, vanuit juridisch oogpunt geen schoonheidsprijs zal winnen. Het roept heel wat vragen op, onder andere rond de gegevensbescherming. Andere sprekers hebben daar vanuit verschillende fracties ook wel op gewezen. En dat is natuurlijk, ik besef dat, meneer de minister, een zeer delicate evenwichtsoefening tussen enerzijds de privacy van de burger, maar natuurlijk ook de algemene volksgezondheid anderzijds. En we weten allemaal, denk ik, uit contacten dat mensen, burgers, dit al heel snel een inbreuk vinden in zijn of haar persoonlijke levenssfeer. En ik denk dat daarom zeer belangrijk is, mevrouw Rochette heeft er ook naar verwezen, om goed te communiceren. Hè? Om de mensen te sensibiliseren, te overtuigen van het belang van gegevensverzameling. Uiteraard mits in achtname van alle regels die daaraan verbonden zijn, zeker in deze gezondheidscrisis. Dus dat is toch wel een oproep en een vraag ook dat gewest daar zeker een pedagogische en sensibiliserende rol in opneemt. Twee, wat wij toch wel betreuren, is dat er geen enkele evaluatieprocedure voorzien is in dit samenwerkingsakkoord. Wat denk ik wenselijk zou zijn. Ten derde, dat de COCOV ervoor gekozen heeft om vertegenwoordigd te worden door de GGC, is eveneens toch wel een zeer merkwaardige keuze. Bevoegdheidsregels die bestaan er voor iedereen, die gelden voor iedereen. Men kan daar niet zomaar van afwijken wanneer men daar zin in heeft. En dat is een zeer bedenkelijk mechanisme dat een bizar onderdeel vormt in deze tekst. Maar anderzijds is coördinatie belangrijk. Ik denk dat we ook daar allemaal over eens zijn.
dat we al veel tijd verloren hebben, zeker in Brussel, in dat contactopsporing en gegevensuitwisseling en verzameling, dat dat veel beter kan en moet gestroomlijnd worden. En daarom zal ik namens CD&V, ondanks de kanttekeningen, toch voor stemmen. Dank u, mevrouw De Baet. Ik is nu de beurt aan meneer Pepijn Kennis. Agora-fractie. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik denk dat het belangrijkste al gezegd is vandaag, inderdaad. Bij zo'n contact tracing is het belangrijk dat de privacy gerespecteerd wordt, dat we toch tegelijkertijd een efficiënt middel hebben waarmee we aan de slag kunnen. En ik denk dat mevrouw Zamouri was die ook benadrukte dat dat niet altijd evident is in deze stad. Een zekere middel dat via smartphones passeert, waar dat toch een grote digitale kloof bestaat, is niet iets dat altijd voor iedereen even toegankelijk is. Dus ik begrijp het belang van deze contact tracing apps en de bijhorende middelen als bijkomende maatregel. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat er een heleboel andere maatregelen genomen worden ter bestrijding van dit coronavirus. Die gebeuren natuurlijk ook. En die zullen in andere discussies ook nog ruimschoots aan bod komen. Voilà. Voor de rest heb ik niet heel veel toe te voegen. Ik denk dat de belangrijkste argumenten gezegd zijn vandaag. Dank u wel. Dank u, meneer Kennis. Puisqu'il n'y a plus d'inscrits, je vais céder immédiatement la parole au gouvernement. Et je cède tout de suite la parole à monsieur Marron, membre du Collège Réuni en charge de l'action sociale et de la santé. Il le fait de son siège, c'est tout à fait lui qui choisit. Oui, oui, à vous deux. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci à toutes et tous pour vos inputs et puis pour vos questions, le cas échéant, pour votre soutien. Alors, rappelez quand même que ceci, c'est, je pense, l'accord de coopération le plus rapide de Belgique. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples d'accords de coopération conclus aussi rapidement entre toutes les entités. D'habitude, un accord de coopération se négocie pendant un an, deux ans, trois ans. Ici, ça a été fait dans un délai remarquablement court, parce que la volonté politique partagée par les entités était là, la nécessité aussi, et il y a eu le travail évidemment aussi des administrations et de leur soutien. Alors, la question tourne beaucoup autour des applications et de la nécessité ou pas d'avoir une application. Je voudrais quand même rappeler une chose, en fait. Les systèmes de suivi de contact et d'application, ils ne sont pas seulement là pour protéger la santé, en fait. Ils sont aussi là pour protéger les droits fondamentaux de tout le monde. Il faut se souvenir dans quel état on était quand on a commencé à réfléchir à tout ça, c'est-à-dire à la sortie du lockdown. Se disant, on ne veut plus de lockdown. Parce que c'est quoi le lockdown? C'est vous empêcher de voir vos proches, de travailler, voire de sortir de chez vous. C'est-à-dire une atteinte aux libertés fondamentales comme nous n'avons, je pense, l'un et l'autre, jamais connu. Jamais connu. Nous n'avons jamais connu ça. Et je pense que nous ne pensions même pas qu'un jour on connaîtrait ça, l'interdiction de voir nos proches. Ça, c'est quand même une atteinte à la liberté fondamentale, à des libertés fondamentales importantes, la liberté de travailler, de se mouvoir, de se déplacer. Okay. La question, c'est comment fait-on pour préserver ces libertés fondamentales essentielles dans le cadre d'une pandémie mondiale? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de faire en sorte de préserver ces libertés? Il faut quand même mettre ça dans la balance. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire de santé publique, en fait. Vraiment. Et donc, toutes celles et tous ceux qui, à un moment, ont dit « Attention, attention, une base de données, est-ce qu'il faut vraiment même faire du suivi de contact ?» Nous n'avons pas beaucoup d'armes, en fait, contre ce virus. Hein. Et maintenant, on le connaît un petit peu mieux, on adapte un peu les stratégies, mais si on se remet 3-4 mois en arrière, on pensait, et du reste, on pense toujours qu'il y a la protection des plus faibles, la protection des personnes qui ont le plus de risques d'avoir une maladie qui dégénère, dont les personnes âgées, ou les personnes avec d'autres cas de comorbidité ou de problèmes qui peuvent engendrer un Covid particulièrement douloureux ou difficile. Ok, donc c'est protéger les personnes. Et pour le reste, ça reste quand même la mise en quarantaine des personnes qui sont porteuses du virus et contagieuses pour protéger la société et protéger les autres. On n'a pas grand-chose d'autre, en fait. C'est ça que nous avons, et c'est ça qui a
dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et si on veut mettre en quarantaine les personnes qui sont susceptibles d'être contagieuses ou qui sont contagieuses, eh bien, il faut un système de suivi de contact. Bon. C'est le pari qui a été fait en Belgique, c'est le pari qui a été fait dans beaucoup de pays. Il faut bien se souvenir de la base, en fait. Hein. Et la base, c'est aussi pour protéger des libertés fondamentales. C'est pour qu'on ne soit pas en lockdown maintenant et qu'on n'y soit pas non plus dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Je voulais quand même le rappeler parce que c'est essentiel. Hein. Ce n'est pas renoncer à des libertés individuelles pour rien. C'est renoncer ou éventuellement mettre en place des systèmes qui posent question au niveau des libertés, notamment des données individuelles, mais pour protéger quelque chose et pour protéger des libertés individuelles. Néanmoins, évidemment, il était important que le texte soumis soit respectueux des normes internationales relatives à la protection de la vie privée et que le maximum de sécurité et d'information vers le public entoure l'utilisation qui est faite des données. En gros, l'idée, elle est simple et elle est bête. Les données ne peuvent servir qu'à une seule chose, lutter contre le Covid. Point. C'est tout. C'est tout. Pas pour faire autre chose que ça. Ça n'est utilisé à des fins exclusives. C'est utilisé que à des fins exclusives de lutte contre le virus. C'est tout. Ces données ne sont pas et ne peuvent pas être utilisées à autre chose. Alors, on a reçu maintenant l'avis, le dernier avis de l'APD, de l'AIPD, qui est tombé hier ou avant-hier, si je ne me trompe, sur les dernières versions du texte, et qui dit, vu le niveau élevé de protection politique, juridique et technique des personnes concernées, la grande transparence de la documentation architecturale, par exemple l'algorithme de calcul des expositions, l'ensemble étendu des mesures d'atténuation des risques et l'absence de risques résiduels élevés, uniquement des risques faibles ou moyens, la valeur ajoutée sociale de l'application de traçage de contact, les délégués à la protection des données des services publics concernés rendent un avis positif quant au traitement de données associées à l'application CoronaAlert. Donc cette fois-ci, il y a un avis explicitement positif de l'AIPD pour l'application. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de modifications du texte parce que des associations, notamment des associations qui veillent au respect des libertés individuelles, ont tiré un certain nombre de signaux d'alerte au début du dossier, parce que l'AIPD elle-même a rendu des avis, qu'il y a aussi des avis du Conseil d'État, etc., etc. Donc le texte a été modifié pour essayer de garantir au maximum le respect de la vie privée. Et celui qui est sous vos yeux aujourd'hui, visiblement, remplit suffisamment ces impératifs du protection de la vie privée. Le site Corona Alert, qui est en ligne, est très explicite sur quelles sont les données qui sont collectées, ce qui en est fait et ce qui n'en est pas fait. Et c'est un site grand public ouvert et qui est en ligne donc depuis maintenant un certain temps, qui est mis à jour de manière régulière. Donc il y a une information disponible pour tout le monde, pour tous les Belges en fait, sur à quoi sert cette application, ce qu'elle fait avec les données et ce qu'elle ne fait pas avec les données. Rappelez aussi que l'application, de toute façon, sera complémentaire au tracing manuel, qui reste la pierre angulaire du tracing. Elle ne vient que complémentairement au tracing manuel. Je voudrais dire aussi, c'est quand même aussi important que tout le monde espère que nous n'aurons pas à utiliser très longtemps ces outils. Je pense, le maximum d'entre nous espère que dans un certain nombre de mois, le plus tôt possible, on ne doive plus utiliser tout ça. On puisse arrêter nos centres de contact, on puisse arrêter l'application, voilà, parce que l'épidémie est sous contrôle et qu'elle est derrière nous. Voilà, c'est quand même le but du jeu, c'est que ça ne perdure pas, hein, qu'on ne continue pas avec ces affaires encore pendant des années. Hein, donc il y a un texte ici qui passe pour un accord de coopération sur une application. Effectivement, il n'y a pas de durée de fin, forcément, mais nous espérons tous que, et toutes que la durée de fin sera le plus rapide possible.
Alors, sur le soutien à la première ligne et l'introduction de données par la première ligne, il y a du personnel qui a été engagé par la COCOM pour soutenir la première ligne de soins, le cas échéant, dans les circonstances où elle en a besoin. Mais donc ça, ça a été fait. Sur le fait que les données soient conservées 60 jours avant effacement, l'argument qui nous est donné par Cienzano, le SPF Santé Publique, c'est que c'est utile de les garder sur ce temps-là pour le suivi épidémio ou des tests complémentaires à des fins épidémiologiques qu'on puisse faire dans un délai plus court que 30 jours. Voilà, elles sont effacées à ce moment-là. J'ose espérer que les maisons médicales qui sont opérées par le PTB effacent les données qu'elles utilisent pour faire du suivi de contact dans des délais aussi courts également. Oui, et que ce soit garanti quelque part. C'est toujours un petit peu bizarre quand un parti politique collecte des données de santé, mais soit. Non, c'est pas, donc, ce sont nos maisons médicales, ce sont des médecins qui sont soumis au secret professionnel comme les autres et qui donc suivent leurs propres patients. J'entends. C'est tout, donc ne mélangeons pas tout, monsieur. Vous avez des réserves sur une application de suivi de contact qui est entourée par un cadre législatif. Je peux avoir des réserves ou des questions sur des données médicales qui sont collectées. C'est la même chose que quand un médecin généraliste vous suit quand vous êtes infecté. Maisons médicales liées. Allez, on va laisser monsieur le ministre terminer son exposé. Et sous la dépendance de ce parti politique, ou l'interdépendance de ce parti politique. Nonobstant le travail de qualité qui peut être fait sur le terrain par ces maisons médicales, je le souligne également, puisque je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Sur la date de lancement, eh bien donc, il y a 10 000 personnes qui sont en train de tester en situation réelle l'application. On me dit qu'elle devrait être disponible pour l'ensemble de la population fin de la semaine prochaine et donc pouvoir être téléchargée sur les stores et autres systèmes liés à votre système d'exploitation de téléphone mobile. Pourquoi est-ce que la communauté française et la COCOF ne sont pas partie prenante à l'accord de coopération? Tout simplement parce qu'elles ne gèrent pas le suivi des maladies infectieuses. Et tout ça est justifié en fait dans le commentaire du texte et explicité dans le commentaire du texte. C'est bien la GGC, la COCOM, qui a travaillé sur ce texte et qui est compétente pour le suivi des maladies infectieuses. Donc il ne fallait pas rajouter la communauté française, la COCOF ou la GGC supplémentairement. Sur l'évaluation, c'est vrai, ce n'est pas prévu tel quel dans le texte. Je pense que tout le monde y est attentif. En comité interfédéral testing tracing, c'est régulièrement évoqué le fait que on va devoir regarder quotidiennement en fait comment évolue l'application, son utilisation, les problèmes rencontrés, etc., etc., l'usage qui en est fait ou pas. Et il est prévu des améliorations continues de l'application le cas échéant. Et sont aussi prévues des campagnes de publicité et d'informations sur l'application, outre le site CoronaAlert. On verra bien si elle sera utilisée ou pas. Les taux d'utilisation de ce type d'application sont très différents d'un pays à l'autre. Certains ont cité la France, où effectivement, ça ne semble pas avoir été un succès, en tout cas à ce stade. Dans d'autres pays, le taux d'utilisation de l'application est beaucoup plus élevé. Je pense que ça dépend de la volonté politique, de la confiance qui est mise dans le système. On peut aussi imaginer des accords sectoriels qui peuvent arriver dans certains secteurs ou dans certaines entreprises pour l'utilisation de l'application. L'application a aussi des vertus par rapport au suivi de contact manuel. Elle peut être beaucoup plus précise que le suivi de contact manuel dans un certain nombre de cas. Et puis aussi moins attentatoire en fait à la vie privée, puisque les données sont beaucoup plus anonymisées et traitées par des machines plutôt que par des humains. Donc en soi, elle a aussi des vertus en termes de respect de la vie privée par rapport au tracing manuel, même si les garanties sont prises à cet endroit-là aussi. Donc nous verrons bien, mais je l'ai dit, c'est complémentaire au tracing manuel. Je pense que néanmoins, toutes et tous, nous avons intérêt à ce que l'ensemble des systèmes de suivi de contact fonctionnent au mieux si on veut pouvoir vaincre l'épidémie et ne plus avoir à utiliser des dispositifs comme ceux-là dans les mois et dans les années qui viennent.
Je pense que comme ça, j'ai répondu à l'essentiel des questions qui m'étaient posées. Merci encore pour vos questions et votre soutien. Merci, Monsieur le ministre. Alors, chers collègues, quelqu'un demande-t-il encore la parole ? Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent intervenir ? Non. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion des articles. Article 1er, y a-t-il des observations ? Pas d'observation. Adopté. Article 2, Kein Besoir ? Angenommen. La discussion des articles est close. Nous procéderons tout à l'heure au vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Étant donné que toutes les questions orales inscrites à l'ordre du jour ont reçu réponse écrite, elles sont dès lors retirées de l'ordre du jour. Notre ordre du jour appelle les questions d'actualité. Nous avons 10 petites minutes d'avance. Je vais donc... Président, il y avait juste ici, dans l'article 2, il y avait une discordance entre le français et le néerlandais, où il est marqué commission communautaire commune en néerlandais, et pas en français. Donc on va adapter. Ah oui. On me signale qu'il y avait, à l'article 2, donc je reviens une seconde sur le texte qu'on adopte, l'accord de coopération, il y a une discordance dans la version flamande et la néerlandaise et francophone sur la commission communautaire française qui apparaît dans une des deux versions, oui, et donc on va mettre ça. Donc il y aura une correction technique pour le vote. OK. Bon, ben, je vais suspendre exactement 10 minutes la séance, et puis nous passerons aux questions d'actualité. D'accord ? On suspend 10 minutes. Et on reprend donc à 11h pile. Ja, meneer de voorzitter, het is door die vergissing dat wij ook ons niet begrepen, hè, het antwoord van de minister niet begrepen, hè, want in de Nederlandstalige versie staat de Franse gemeenschapscommissie wel vermeld, de Franstalige versie niet. En dus ja, het is nogal fundamenteel.
Alors, chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité en dehors de Zend, Aktualitätsfragen. Alors, je vais commencer avec Bianca de Batz. Ze heeft une vraag aan meneer Marron. On va, je ne sais pas où est monsieur Marron. On va peut-être attendre monsieur Marron. Alors, nous avons la question de Madame De Baats, vraag aan meneer Marron, betreffende aangekondigde oprichting van het Covid-testdorp in het Brusselse hoofdstedelijke gewest. De vraag van mevrouw Sietje van Achter, toegevoegd aan die van mevrouw Bianca De Baats, betreffende door het Verenigd Collega overwogen maatregelen inzake de opsporing van corona. Ensuite, la question de Madame Bertrand, toujours à Monsieur Marron, qui est également jointe à celle de Madame De Baats. Point sur les capacités de dépistage du corona en région Bruxelles-Capitale. Celle de Madame Ostraat, également jointe à celle de Madame De Baats. Mesures bruxelloises de dépistage et de suivi des contacts au vu des derniers chiffres relatifs à la pandémie de Covid-19. Et enfin, la question de Madame Koplovitch, également jointe à celle de Madame De Baats et adressée à Monsieur Marron, mise en place des centres de tests et soutien à la première ligne de soins pour lutter contre le corona à Bruxelles. Comme il y a 5 questions jointes, l'exécutif a évidemment 5 fois 2 minutes, donc il a 10 minutes pour répondre aux 5 questions. Et je cède immédiatement la parole à Madame De Baats. De Baats. Dank u wel, meneer de voorzitter, geachte collegelid. Op dinsdag 15 september laatstleden maakte de Brusselse Gezondheidsinspectie, en eigenlijk u ook, moet ik zeggen, in eerste instantie als regering, bekend dat er dan toch een testdorp zal opgericht worden in het gewest. Eigenlijk helemaal tegenstrijdig aan eerdere verklaringen, waarbij onder andere de minister-president zei dat zo'n testdorp in Brussel helemaal niet nodig was. Maar goed, het zou hier gaan over 4 nieuwe testcentra, waarmee de gemiddelde testcapaciteit op termijn zou moeten stijgen naar 9000 per dag. Volgens het hoofd van de Brusselse Gezondheidsinspectie zou dat testdorp binnenkort al moeten openen. Een exacte timing of locatie was toen nog niet meegedeeld. Gisteren kwam de Veiligheidsraad samen, zoals u weet, en daar, zeer vreemd, ondanks de hoogte van de cijfers, de hoogste van het land, wordt daar verklaard dat er geen bijkomende maatregelen nodig zijn. Vandaar dat ik u toch graag een paar vragen stel. 1. Kan u toelichten welke stappen er nog moeten gezet worden om de oprichting van dat testdorp effectief te kunnen laten starten? Hoe zullen de concrete inrichting en modaliteiten daarvan georganiseerd worden? Ik denk aan de tewerkstelling van de mensen die de testen gaan afnemen, de coördinatoren en zo verder. En ook welke sensibilisering en communicatieacties. Want het is belangrijk opnieuw dat mensen, dat Brusselaars, weten dat die mogelijkheid er binnenkort komt. Kan u meer duiding geven bij de exacte locatie of locaties van dit testdorp en de voorziene opening ervan? Welke middelen maakt u hiervoor vrij? En welke impact heeft de oprichting van dit testdorp op de mogelijke verdere ontwikkeling van mobiele testcentra? Want eerder gaf u aan dat u ook via mobiele testcentra zou werken. Is dat parallel of heft het een het andere op? En misschien tot slot, in het kader van de actualiteit van gisteren, ja, hoe verklaart u dat ondanks de dramatische cijfers in Brussel, de Brusselse regering blijft zeggen, nee, er zijn geen extra maatregelen nodig? Ik kijk alvast uit naar uw antwoord. Dank u, mevrouw De Baats. Mevrouw Van Achter. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de minister, ik denk dat we de cijfers allemaal kennen, dat u ze ook heel goed kent, maar de positiviteitsratio in Brussel is enorm gestegen, is nu zelfs 2 keer zo hoog als het gemiddelde in België. Deze ochtend hoorde ik op de radio, of las ik in de krant, dat ziekenhuisopnames ook in Brussel zorgwekkend aan het worden is. Intussen blijft er grote ontevredenheid over het testen in Brussel. We moeten vaak
te lang wachten om eerst een afspraak te krijgen, vervolgens om je resultaat te krijgen. Dat duurt 4 dagen in sommige gevallen. Terwijl natuurlijk het testen, de quarantaine, het hart van uw beleid vormt. En dat zou moeten snel gaan. We zouden moeten weten als iemand positief test, dat hij in zijn bubbel nog andere mensen eventueel positief, want het loopt natuurlijk zo verder. En de testcapaciteit zit op zijn limieten. En u heeft aangekondigd dat er nieuwe testcentra gaan openen. Vandaag vernamen we dat Sint-Jan 1 opent op de Pacheco-laan. Er komt een testdorp naar Antwerps voorbeeld waar wij al voor gepleit hadden. Maar het is nog niet helemaal duidelijk wat nu de juiste capaciteit zal zijn en tegen wanneer. Dus dat is mijn eerste vraag. Hè. Wanneer en waar komen de nieuwe testcentra en het testdorp? Wat gaat dan ook de capaciteit zijn? En hoe gaat u aan verhelpen dat resultaten, testresultaten sneller verwerkt zijn en sneller naar de burger, naar de Brusselaar terugvloeien? En een ander aspect is dat ook de huisarts, waar de huisartsen ook over klagen, is dat de testprocedures zouden moeten vereenvoudigen, dat het te ingewikkeld is, dat het te veel tijd neemt per patiënt om alles correct in te vullen. En dat zij natuurlijk binnenkort ook nog, waarschijnlijk zal de griep eraan komen en zo verder, en dat zij vandaag al op hun limieten zitten en dus overbelast geraken. En volgens de huisartsen ligt dat dus ook aan die administratieve rompslomp die aan de basis ligt voor de lange wachtrijen in de testcentra. Dus gaat er ook een vereenvoudiging komen van de testprocedure? Dat is mijn tweede vraag. Dank u, mevrouw Van Achter. Madame Bertrand. Merci, monsieur le président. J'enlève mon masque à l'effigie de Beaux-Arts, hein, sur l'art qui peut nous guérir, et je pense que c'est voilà, un beau message pour la culture. Monsieur le ministre, j'ai également des questions sur le testing en région bruxelloise. Je vous ai entendu ce matin sur la première. Vous nous avez annoncé aussi l'ouverture d'un nouveau centre de testing à Etterbeek, je pense. Et effectivement, la presse nous annonçait le 16 septembre dernier l'ouverture de 4 nouveaux centres de dépistage en région bruxelloise. Donc, si j'ai bien compris, il y en aura un à Saint-Jean, au boulevard Pacheco, un à Etterbeek. Je pense que vous aviez évoqué la gare du Midi, mais je peux me tromper et je ne sais pas où est le quatrième centre. Mais l'idée était d'organiser un testing différencié en fonction des cas symptomatiques et asymptomatiques et d'éviter l'engorgement. Or, c'est vrai que ce qu'il me revient des centres de test, c'est que ces derniers jours, il y a de nombreuses files devant les centres de test qui ouvrent à 9h du matin et que dès 7h30, en tous les cas, pour ceux qui ne prennent pas rendez-vous, parce que certains peuvent prendre rendez-vous, d'autres pas, il y a des grandes files. D'où la question aussi sur les rendez-vous, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est envisageable même d'étendre la possibilité d'aller sur rendez-vous pour essayer de désengorger. Voilà, est-ce que vous pouvez nous préciser, monsieur le ministre, le nombre de centres de tests ouverts et disponibles, toutes catégories confondues, le temps d'attente nécessaire qui vous est revenu pour prendre en charge les patients, le délai moyen pour la réception des résultats? On entend que ça varie extrêmement fort d'un labo ou d'un hôpital à l'autre. Le nombre de jours nécessaires, ce qu'il vous faut pour organiser l'ouverture d'un nouveau centre de dépistage, et si vous avez le nombre de tests effectués dans ces centres, et ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est le ratio des cas testés positifs. Est-ce qu'on voit une augmentation vraiment de ces ratios les derniers jours à Bruxelles? Voilà, pour conclure, ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est à ce jour la capacité de testing réelle à Bruxelles? Quelles sont vos projections pour les prochains mois, pour autant que vous puissiez nous informer là-dessus? Quelles sont les conditions pour lesquelles la prescription reste obligatoire? Est-ce que cette règle peut être assouplie? Est-ce que vous y voyez un intérêt? Et enfin, quelles sont les stratégies qui sont actuellement mises en œuvre pour alléger la charge administrative du personnel médical? Voilà, beaucoup de questions, monsieur le ministre, et j'espère que vous pourrez nous éclairer. Je vous remercie. Merci, madame Bertrand. Madame Ostrac. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, la nouvelle n'aura échappé à personne. Cela fait quelques jours maintenant que semble s'installer un regain durable et grandissant du coronavirus en Belgique. Ce lundi, nous avons notamment pu lire dans la presse que, selon Sienzano, près de 1200 nouveaux cas ont été comptabilisés en moyenne par jour au cours de la semaine dernière, soit une augmentation de 62% par rapport à la semaine précédente. Selon le porte-parole interfédéral COVID-19, les moyennes journalières sont désormais deux fois plus élevées que lors de la deuxième semaine d'août.
une hausse qui a amené à dépasser le cap des 100 000 infections nationales totales. Toutefois, on peut également lire que les admissions à l'hôpital et les décès restent heureusement beaucoup moins nombreux qu'il y a quelques mois, du moins pour l'instant. On teste évidemment beaucoup plus qu'au début de l'épidémie, ce qui influence les chiffres. Reste que c'est bien aussi le pourcentage des tests positifs qui est en augmentation, si bien que beaucoup de spécialistes parlent d'un véritable rebond, et celui-ci concerne à la fois les moins de 40 ans, mais aussi les plus de 60 ans. Et si le taux d'admission reste actuellement gérable, il était ce week-end au plus haut depuis le 21 mai. Il apparaît également que c'est en région bruxelloise que le plus grand nombre de nouveaux cas positifs a été détecté la semaine dernière. Sur la carte européenne des contaminations, la Belgique apparaît désormais en orange foncé. Dans le même temps, l'application Corona Alert entre en phase de déploiement en Belgique. Je ne vais pas refaire tout le débat qui a déjà eu lieu aujourd'hui à propos de l'accord de coopération, mais j'ai le sentiment que son efficacité attendue n'est toujours pas bien claire dans le cas d'un très faible taux d'installation parmi la population, malgré la campagne de promotion prévue. Le gouvernement peut-il apporter des précisions et peut-il également nous fournir un feedback sur le suivi des contacts par call center? Est-ce que ce travail permet de mettre le doigt sur l'origine du regain des contaminations? Enfin, la presse continue de relayer les difficultés et les lenteurs que rencontre le dépistage. La DH utilisait même l'expression « d'enfer du dépistage à Bruxelles ». Le gouvernement peut-il expliquer les causes de ces insuffisances qui semblent perturber? Nous venons d'apprendre l'ouverture d'un nouveau centre de test boulevard Pacheco et les futures ouvertures de plusieurs centres. Est-ce que cela sera suffisant? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Merci Madame Ostrat. Je cède à présent la parole à Madame Stéphanie Koplovitch. Merci Monsieur le Président. Donc je rejoins les questions des collègues sur la capacité de testing, sur le fait que on a parlé déjà en commission il y a quasiment un mois de ce centre à la gare du Midi et qu'on n'en voit toujours pas le bout du début du nez. Mais surtout, je voudrais aussi revenir sur l'aspect que la première ligne a vraiment, donc dans le soir du 16 septembre, dit « c'est la catastrophe, on est submergé ». Et je veux aussi revenir sur ce que vous venez de dire, Monsieur le Ministre, en jetant franchement le doute sur l'intégrité des médecins de médecine pour le peuple qui font un travail de dingue et qui, quand ils étaient sur le terrain pour aider au testing au mois de mars-avril, vous n'avez rien remis en doute. Et si vous avez des doutes sur le lien entre maison médicale et parti politique, il n'y a aucun souci, vous pouvez porter plainte à l'ordre des médecins ou demander des inspections. C'est vous qui faites ce lien, madame? Non, non, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit c'est lié à un parti politique. Mais c'est vous qui avez fait le lien tout à l'heure. Vous avez dit nos maisons médicales. Et est-ce que du coup... vous êtes député ici, pas médecin. Donc c'est votre maison médicale. Je le pointe, non, non, c'est vous tout. Avez du coup jeté le doute sur l'intégrité des médecins qui n'assureraient pas la sécurité des données. Bien sûr que si. Oh, bien sûr que c'est ce qu'il a dit. On n'a pas compris les choses de la même manière. Bref, je trouve que c'est très important de souligner le travail que ces gens font et la totale intégrité dont ils font preuve. Voilà, je trouve que c'était vraiment important de le dire. J'ai souligné la qualité de leur travail de terrain. Oui, oui, non, mais ce n'était pas ma question. Je parle d'intégrité et vous avez mis ça en parallèle avec mes doutes sur les protections des données d'une application. Donc, je trouve que quand même, il y a des parallèles qui sont faits qui ne sont pas acceptables. Mais bref, la procédure est hyper lourde pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui est mis vraiment en place en termes de suivi administratif et logistique pour aider toute la première ligne? Donc, vous parliez ce matin, je pense, d'éventuellement supprimer la prescription pour certains tests, mais ça ne nous paraît pas forcément être la bonne idée de lancer un message de « allez vous faire tester à tout va », ça ne risque d'allonger les fils dans les hôpitaux, mais plutôt de voir en termes de prescription, toutes les infos qui sont aujourd'hui demandées pour les labos sont parfois demandées deux fois et ça allonge la procédure aussi. Donc, plutôt, que pensez-vous et qu'allez-vous faire en termes de soutien administratif et logistique et peut-être d'allègement des procédures sans forcément supprimer la prescription qui reste un moment important aussi de contact entre un médecin et un patient? Et donc est-ce que vous pouvez, je le demande comme tous les autres l'ont fait, nous faire un état des lieux très précis de ces fameux 4 centres que vous vouliez, dont vous parlez depuis quelques semaines maintenant, parce qu'effectivement les chiffres ont plus que doublé et en fait on apprend que aucune mesure nouvelle va être prise, mais il nous semble quand même qu'il y a vraiment de quoi se bouger rapidement. Merci Madame Koplovitch. Monsieur le ministre, vous avez donc 10 minutes. Merci beaucoup. Mais donc, on avait annoncé dans le courant du mois de juillet ou la fin du mois de juillet qu'on allait doubler la capacité de test à Bruxelles. On est monté effectivement à 4000 tests par jour à Bruxelles en moyenne durant les premières semaines du mois de septembre. En ligne avec la capacité fédérale, parce que Bruxelles et la capacité de test bruxelloise sont liées à la capacité de testing fédérale. Je rappelle que, courant de l'été encore, le fédéral parlait d'une capacité
de 35 000 tests à l'échelle de la Belgique, viser 4 000 ou 5 000 à Bruxelles, est en lien avec cette capacité de test fédérale. Depuis lors, et courant de l'été également, mais courant du mois d'août, le fédéral a annoncé sa volonté d'augmenter lui-même sa capacité générale de test au niveau belge jusqu'à de l'ordre de 70 à 90 000 tests par jour. J'attire quand même votre attention sur le défi organisationnel et logistique que ça représente d'organiser de 70 à 90 000 tests par jour. Ça veut dire des centaines de milliers par semaine. C'est totalement considérable. Et donc le fédéral s'est engagé dans cette voie, je pense avec détermination. Nous suivrons l'augmentation de capacité telle qu'elle est prévue par le fédéral. Bruxelles ne sera pas en retard. Et en fait, quand on regarde le nombre de tests qui sont effectués province par province pour le moment, Bruxelles est plutôt dans le haut du tableau. Évidemment, il y a une saturation parce que beaucoup de gens se précipitent dans les centres de testing pour des bonnes raisons, souvent, parfois simplement pour se rassurer. Ça engendre des files et parfois des heures d'attente dont je suis désolé parce que c'est évidemment pas confortable. Faire la file pour un prélèvement dans un hôpital pendant une heure ou deux, on y est relativement coutumier, ça n'est pas complètement anormal. Quand ça commence à être 3 heures, 4 heures ou 5 heures d'attente, effectivement, c'est un problème. Alors, nous allons augmenter la capacité de test comme prévu. On l'a augmentée au mois de septembre comme prévu. Elle augmente encore aujourd'hui, hier, par l'ouverture du centre Pacheco. Je vais vous donner le planning pour la suite pour tendre vers les 9 000 tests par jour à Bruxelles. Donc, on va ouvrir des villages et des centres de testing complémentaires. Il y a donc un centre de test Pacheco ouvert hier. Un village pour la zone est ouvrira à Etterbeek, avenue de la Force aérienne, au croisement de l'avenue des casernes. Il sera ouvert dans le courant de la semaine du 28 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ce sont des villages à haute capacité de testing. Le village sud se trouvera à Forêt, une ouverture prévue autour du 5 octobre, normalement au coin Alsenberg-Jupiter. Le village nord, normalement sur un parking du Ezel, proche d'une station de métro. Le village ouest, a priori, sur la commune d'Anderlecht, un lieu précis qui reste encore à définir. Il y a différentes hypothèses de travail sur la table. Le lieu n'est pas encore tout à fait déterminé. Certaines hypothèses sont tombées à l'eau. C'est vrai qu'on voulait en ouvrir un, par exemple, près de la gare du Midi. L'administration et les communes ont travaillé à des solutions pour ouvrir près de la gare du Midi. Malheureusement, finalement, on n'a pas abouti. Il faut des lieux, en fait. Il faut des emplacements, en fait. Et ce n'est pas toujours si simple à trouver, malheureusement. Donc, au niveau des trois centres, en plus de ces villages, donc celui de Pacheco est ouvert depuis ce lundi. L'ouverture d'un centre complémentaire à Skarbek est également bien avancée et un troisième devrait se trouver à Molenbeek. Ce sont des centres qui vont fonctionner sur un site de rendez-vous unique qui permettra l'encodage facilité des données nécessaires à un dépistage administrativement moins lourd pour les prestataires de soins de santé et plus clair pour la population. On a amené en conférence interministérielle santé, j'ai amené aussi courant de cet été la question des lourdeurs administratives. Le fédéral est bien conscient que parfois il y a trop de lourdeurs administratives. C'est vrai que pour 2 ou 3 minutes de test à proprement parler, on estime qu'il y a environ pour le moment une dizaine de minutes de travail administratif. C'est long et c'est lourd pour les personnels qui doivent le faire, les personnels médicaux qui doivent le faire. Donc on travaille à améliorer ça. Une des pistes était, mais ça ne résolvait pas tout, la suppression de la prescription. Elle était demandée d'ailleurs par des acteurs de terrain, hein. Ce n'est pas politique. Mais par contre, en gardant la même définition de cas, la suppression de la prescription ne signifie pas open bar, que tout le monde aille se faire tester toutes les semaines pour n'importe quoi, je dirais. On gardait donc le même case definition. Voilà. Maintenant, c'est compliqué, c'est complexe. Madame Koblogi, vous avez dit vous-même que certains médecins, eux, par contre, sont plutôt pour le maintien de la prescription, alors que d'autres se prononcent contre le maintien de la prescription. Donc, il y a des débats, même chez les médecins généralistes.
Le fédéral n'est pas très chaud pour supprimer complètement la prescription. Par contre, le débat avance sur l'amélioration des procédures administratives, même dans le cadre du maintien de la prescription. Vous savez que la prescription peut recevoir par mail, par QR code, etc. Donc, il y a différentes manières de recevoir des prescriptions. Donc, en gros, je dirais qu'on avance à Bruxelles conformément au planning annoncé en termes d'augmentation des capacités, en lien avec l'augmentation de la capacité fédérale. Maintenant, c'est vrai qu'il n'en reste pas moins qu'il reste à certains endroits des files, qu'il y a parfois des couacs, il faut bien le dire. On a eu un labo cet été dont les systèmes sont tombés en panne, et un gros labo avec des systèmes mécaniques qui tombent en panne, bah, en fait, pratiquement tout l'ensemble est impacté pendant plusieurs jours, parce qu'on ne sait plus faire les checks, quoi. Donc il y a parfois des couacs, c'est vrai, c'est une mécanique qui est lourde, costaude, qui est articulée entre les régions et le fédéral, et voilà, on essaye de résoudre les couacs dès qu'ils arrivent et d'augmenter la capacité conformément à ce qu'on avait prévu. Je dois dire que c'est vrai que, courant de l'été, nous n'avions pas reçu d'informations des épidémiologues ni des experts qu'à la fin du mois de juillet, il y aurait la remontée que nous avons connue. Je veux dire, autant les épidémiologues et les experts nous avaient dit pour calibrer le système de suivi de contact, il faut autant de personnes, etc. Puis on s'est retrouvé avec 10 fois trop de gens. Donc on avait surcalibré. Voilà. C'est pas grave, hein, mais on avait surcalibré, on a dû réduire. Maintenant, on doit réaugmenter sur le suivi de contact manuel. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de réengager des gens. Autant ici, personne ne nous a dit attention, attention, ça va revenir dès le mois de juillet. Et donc, dès le mois de juillet, il faudra augmenter les capacités de testing, etc., qui ont diminué pendant le mois de juin et début du mois de juillet parce qu'il n'y avait personne qui s'y présentait. Donc voilà, on peut parler de défauts de prévoyance, de tout ce que vous voulez, mais en attendant, les hôpitaux eux-mêmes et les centres de tests eux-mêmes avaient décidé de fermer parce qu'il n'y avait plus personne. Donc on a réouvert avec leur collaboration, et je remercie encore toutes celles et tous ceux dans les hôpitaux, les centres de soins, les communes et autres qui se sont mobilisés pour réouvrir. On a réouvert, on a augmenté aussi la capacité dans les tests, dans les laboratoires privés. On a étendu les horaires, etc., etc. C'est comme ça que cette capacité a été doublée. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure avec des centres et des villages vraiment complètement dédicacés et des modèles organisationnels propres. Tout ça est maintenant en route, des premières étapes dès hier, des étapes suivantes dès la semaine prochaine. Et on arrivera jusqu'au maximum de la capacité fédérale, donc 90 000 pour la Belgique, 9 000 pour Bruxelles. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses très complètes. Alors, y a-t-il des demandes de réplique, Madame de Baat? Ja, misschien heel kort, meneer de voorzitter. Dank aan het collegelid voor het antwoord. En het spijt mij dat ik het moet zeggen. Ik zou liever positiever kunnen zijn, maar ik kan alleen maar vaststellen dat de Brusselse regering keer op keer, zeker in dit dossier, daadkracht mist en dat u eigenlijk achter de feiten aanholt. Ik heb heel sterk het gevoel, en niet alleen ik hoor, denk dat alle experten dat met ons eens zijn, dat men eigenlijk maar in actie komt als het te laat is. Hè. Dat was ook zo met de mondmaskerplicht. Iedereen zei al dagen, al weken, voer die mondmaskerplicht in. Stel bijkomende maatregelen in. U heeft dat niets gedaan met een gigantisch aantal besmettingen tot gevolg. Nu is dat positief dat die testdorpen er komen, dat er bijkomende capaciteit komt? Wel, absoluut. Besef ik dat dat een organisatorisch grote uitdaging is, zeer zeker, en heel veel respect voor de gezondheidswerkers, maar het is natuurlijk niet dat u pas sinds gisteren weet dat er bijkomende testcapaciteit moest komen. Men had daar eigenlijk toch wel kunnen op voorbereid zijn. Dus ik kan alleen maar hopen dat u nu echt een versnelling hoger schakelt, dat het vlotter en efficiënter zal verlopen, want het gaat hier tenslotte wel over de gezondheid van mensen. Dank u, mevrouw de Baat. Mevrouw Van Echter. Ja, dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoorden. Ja, we horen, het komt. Dat is wat we eigenlijk al een tijdje horen. De capaciteit gaat verhoogd worden. Ik steun u daarin, wij zijn vragende partij. Het is de kern van uw beleid om mensen te laten testen en in quarantaine te hebben en te werken met de wijk en clusters ontdekken. Dat hebben we gehoord in de commissie op eind augustus. Dus die testcapaciteit is primordiaal, is hyperbelangrijk. En als de mensen als de mensen in contact kwamen met iemand die besmet is, positief getest is en die dan
op hun beurt zich moet laten testen en de rijen zijn hyperlang, het is te complex, je kunt moet bellen bij sommige testcentra, andere kan je online, het is, als het niet eenvoudig is, en het, dan haken de mensen af en gaan we het hier niet onder controle krijgen. En het is dat wat we moeten doen. En dus die testcapaciteit, je moet daar gewoon aan de kar trekken en mee vooruit doen en in gang schieten. En wij delen toch ook de kritiek. We hebben dezelfde kritiek dat het te traag gaat, niet genoeg vooruit. En dus we zullen het verder opvolgen. En we horen nu dat Etterbeek zal lopen de week van 28-9 in Vorst in de week van 5 oktober. En dan nog twee centra die okay. nog later zullen komen. U heeft niet gezegd wanneer. Alleszins, we zullen verder vragen stellen, want het is een te belangrijk thema. Dank u, mevrouw Van Echter. Madame Bertrand. Oui, merci. Merci, monsieur le ministre, pour vos réponses. Voilà, vous nous avez donné une série d'informations, mais c'est vrai que les Bruxellois et les Bruxelloises continuent à nous interroger, à m'interroger aussi, en disant pourquoi est-ce qu'il y a une telle file à Saint-Jean, pourquoi est-ce que là il faut s'inscrire, pourquoi est-ce que dans d'autres hôpitaux il ne faut pas. Je viens de recevoir encore une image de la file qu'il y a actuellement, et je vous avoue que je ne sais pas vraiment quoi y répondre, donc j'entends que vous faites votre possible et qu'il y a toute une série de capacités de testing qui vont s'ouvrir. Vous avez dit, et c'est correct, hein, les centres de tests sont fermés au mois de juillet, les hôpitaux, c'est vrai. On en reparlera, mais moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu un relais qui se soit fait à ce moment-là et qu'on n'ait pas dit, voilà, on ferme les centres de tests, attention, OK, mais il faut prévoir, on va en ouvrir d'autres puisqu'on sait qu'il y a le retour de vacances, que les gens allaient revenir de certaines zones. Donc, voilà, tout ça reste flou. J'entends bien la gestion logistique et je pense que tout le monde reconnaît qu'elle est compliquée, mais le retour de vacances s'annonçait. Et honnêtement, c'est compliqué à expliquer aujourd'hui aux Bruxelloises pourquoi ils doivent faire 3 heures, 4 heures, 5 heures de file pour se faire tester à un moment où on voit que le virus repart. Donc voilà, je n'ai pas encore eu toutes mes réponses, mais j'entends que vous prenez le problème à bras-le-corps et que vous essayez en tous les cas de diminuer la charge administrative, mais tout n'est pas encore clair et je pense qu'il faudra communiquer en tout cas très clairement à l'égard des Bruxellois dans les jours qui viennent. Je vous remercie. Nous passons à présent à Madame Ostrad. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Toujours ma petite question par rapport au suivi de contact, les retours que vous en avez eus, et si on a pu mettre le doigt sur d'éventuels foyers de contamination. La rentrée scolaire est derrière nous, et il me semble utile de savoir quelle est l'origine de cette hausse de contamination. Je vous remercie. Merci, Madame Ostrad. Madame Koplovitch. Oui. Parfois des couacs. Je trouve que c'est un peu léger, en fait, Monsieur le Ministre. C'est plus que parfois des couacs, qu'il y a vraiment des problèmes structurels d'organisation de ce testing. Donc, vous parlez de défaut de prévoyance, mais oui, c'est bien ça. Donc, les experts ont dit qu'il y aura une seconde vague. La rentrée scolaire, que je sache, c'est tous les ans. Les gens allaient rentrer de vacances. Donc, je comprends, comme Madame Bertrand, je ne comprends pas bien pourquoi, au moment de fermer les centres en juillet, il n'y a pas eu toute une organisation pour s'assurer que ça puisse reprendre rapidement et qu'on ne soit pas non plus maintenant en train de galérer pour cette histoire. Vous parlez du centre de Scarbeck, qu'il a été visité vendredi avec les services de la COCOM et la Croix-Rouge, et le local est non conforme. Donc, en fait, on n'avance pas si vite que ça. Et le centre de Saint-Josse va maintenant fermer fin septembre. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre la logique et j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'urgence qui ne vous habite pas vraiment, quoi. Merci, Madame Koplovitch. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous souhaitez... Donc, sur les chiffres de l'épidémie, etc., ils sont quand même sur le site de Cienzano, puisque la question était posée de savoir quotidiennement comment ça évoluait, etc. Tous ces chiffres sont maintenant en plus en open data et donc relayés, entre autres, par la KUL, si je ne m'abuse, et agrégés. Donc, voilà, ces chiffres sont tout à fait publics. Je n'ai pas de données... Maintenant, sur des clusters, les dernières données que j'avais sur les clusters, c'était qu'essentiellement, c'était des foyers familiaux, en fait, plus que des foyers dans des quartiers. Maintenant, c'est sûr qu'au fur et à mesure de l'été, on s'est rendu compte que le virus circulait plus vite, et ce n'est pas étonnant, dans les communes les plus densément peuplées, là où les logements sont les plus petits et le nombre de personnes par logement le plus important. Et donc, je l'ai dit, l'objectif du fédéral au mois de septembre, c'était 35 000 tests par jour. Au niveau belge, c'était ça l'objectif. Hein. C'était ça qui nous était donné. S'il y a 35 000 tests par jour au niveau belge, à Bruxelles, on ne sait pas aller au-delà de 4-5 000. Il faut être clair. C'est la réalité. Il n'y a juste pas de matériel. Il n'y
n'y a pas suffisamment de réactifs, des couvillons de matériel dans les laboratoires après pour faire les tests, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit avancer ensemble et que nous avons avancé ensemble. Quand le fédéral a dit « go, on va dépasser les 35 000, on va aller vers 50, puis vers 70, puis vers 90 », on a dit « ok, on va suivre derrière et on va suivre cette augmentation de capacité ». Je ne veux pas non plus laisser croire qu'il ne s'est rien passé depuis lors. La capacité a doublé, la capacité effective entre début août et maintenant, c'est x2. Et ça fera encore x2 dans les prochaines semaines. Et alors, je voudrais quand même tordre le cou à un canard. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on croie, parce que parfois, c'est ça qui circule, qu'il n'y a pas de quarantaine sans test. Souvent, en fait, on fait du testing une sorte d'alpha et oméga, genre, il n'y a pas de quarantaine sans test. Mais c'est faux, en fait. Hein. Si vous avez des symptômes, vous devez vous mettre en quarantaine. Le test ne vient qu'après. Si vous êtes en contact, si vous avez un high risk contact, vous devez vous mettre en quarantaine. Le test ne vient qu'après. Et le cas échéant, on peut réduire un tout petit peu la durée de votre quarantaine, mais basta. C'est tout. Donc, je veux dire, le système de quarantaine et de suivi de contact n'est pas nécessairement ultra dépendant du système de testing. Attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas augmenter nos capacités de test. Mais moi, ce que j'entends de plus en plus souvent, y compris de la part de politiques ou d'autres, c'est s'il n'y a pas de test, tout s'effondre. En fait, c'est faux. D'accord ? Nous avons besoin des tests dans un certain nombre de cas. Ça, c'est vrai. Comme si vous redevenez de zone rouge, vous devez être en quarantaine, hein, avec ou sans test. Il n'y a pas besoin de test, hein. Vous devez être en quarantaine, basta. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la plupart des cas, les protocoles ne prévoient pas que c'est le test qui vous met en quarantaine ou qui détermine même la fin de votre quarantaine. Donc, je voudrais qu'on soit clair là-dessus, parce qu'il y a aussi un mélange dans la tête de la population. Il y a des gens qui ne se mettent pas en quarantaine tant qu'ils n'ont pas eu un test positif. Mais ça ne va pas, en fait. Ça ne va pas. Et à force de dire tout le temps les tests, on en rajoute dans cette direction. Mais ce ne sont pas les protocoles établis et ce n'est pas ce qui est le plus efficace. Le plus efficace, c'est de se mettre en quarantaine dès qu'on a pris un risque ou qu'on a des symptômes. Et c'est ça qui est prévu. Et puis, il y a un test pour confirmer ou pour infirmer. Et dans la plupart des cas, le test ne limite même pas ou ne réduit même pas ou le réduit de manière très minime la durée de la quarantaine. Je pense qu'il faut le rappeler. Je ne suis pas en train de plaider ici pour qu'on ne fasse pas de test. Hein. Ce n'est pas ça. Nous devons, et c'est notre responsabilité, d'augmenter la capacité de testing, de faire qu'il y ait moins de gens dans les files et tout. Mais c'est la responsabilité de tout le monde, je pense, d'expliquer les procédures. Ce ne sont pas mes procédures. Hein. C'est les procédures qui sont déterminées en conférence interministérielle santé et d'abord avec les experts du fédéral, etc. Hein. Ce n'est pas les miennes, hein, ces procédures-là. Elles valent pour toute la Belgique. Et elles ne sont pas dépendantes des tests. Et donc, pour la plupart des cas. Alors évidemment, le test aide. Hein. Quand vous avez un test positif, vous avez d'autant plus envie de rester en quarantaine. Mais par contre, dans bien des cas, même si votre test est négatif, vous devez encore rester en quarantaine dans l'attente d'un deuxième. Oui. C'est le cas d'un certain nombre de membres de ce gouvernement. Madame Désir, encore tweeté tout à l'heure, elle a été en contact à haut risque, elle a eu un premier test négatif, elle attend le deuxième test pour éventuellement réduire un tout petit peu sa quarantaine. Hein. De toute façon, elle est pratiquement au bout de sa quarantaine. Donc je veux dire, il faut un peu... je pense que ça doit être clair pour tout le monde, cette histoire-là. Et ça ne l'est pas suffisamment. Et je ne le dis pas ça pour me défausser de mes responsabilités sur le testing. La région est responsable d'organiser le testing. Et on doit l'organiser mieux, l'organiser plus vite, augmenter nos capacités en lien avec l'augmentation des capacités fédérales. Et ça m'ennuie aussi quand il y a des couacs. Je veux dire des couacs ou des gros couacs ou tout ce que vous voulez. Mais il faut être clair dans le discours qui est envoyé aux gens. Quand il y a un risque ou qu'on a des symptômes qui laissent penser Covid, c'est la quarantaine. Merci, monsieur le ministre, pour ces précisions. Voilà, j'allais dire l'incident est clos. Allez, une dernière réplique. Je suis désolée, je voulais juste réagir à ça. Ce que vous dites, monsieur le ministre, est effectivement correct, mais doit être nuancé à deux égards. C'est d'abord que le test positif est vraiment important pour le spreading et prévenir les autres. C'est-à-dire qu'on ne prévient les autres du fait qu'il y a un positif qu'une fois qu'il y a un test. Et donc ça, c'est fondamental. Et l'autre écueil dans lequel je ne voudrais pas qu'on tombe, vous faites le lien avec la quarantaine et vous avez raison, mais tous ces gens qui ont été malades au mois de mars et qui n'ont pas pu tester, être testés, et donc à un moment avoir un positif, se sont trouvés dans une situation dramatique. Il y avait encore un article ce matin sur les séquelles. Il y a des gens qui ne savent toujours pas, mathématiquement, s'ils ont fait le Covid ou pas. Bien sûr qu'ils se doutent qu'ils ont fait le Covid. Mais donc, le test, à un moment, est important aussi pour des questions de santé pour ces personnes-là.
Et je sais, ce n'est pas ça que vous dites. Hein. C'est ça, pas je suis ça d'accord que vous avec vous. Mais donc, il faut affiner le diagnostic, ça vous voulez dire. Absolument, oui, oui, pour, pour ça, le traitement sûr. Et pour affiner le diagnostic. Et c'est pour ça que j'entends bien, vous faites ici le lien avec la quarantaine. Mais donc, deux nuances, attention pour le spreading et attention pour la santé individuelle de chacun. On a besoin de ces tests. On a besoin de ces tests. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Mais il faut la ramener à leur place. La place que vous leur donnez est correcte. Ouais. Mais ce n'est pas non plus tout le temps l'alpha et l'oméga. Parfait. Merci beaucoup aux uns et aux autres pour ce président, débat. Monsieur le Président, je voudrais encore juste dire deux mots aussi, puisque Mme Bertrand a pu. Je veux juste revenir... Ouais, mais voilà, c'est toujours... Ou alors j'utilise l'argument d'autorité. Super court. Sur la quarantaine, justement, parce que vous avez raison que c'est très important que les gens respectent la quarantaine. Mais donc, je veux revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les gens ont de grandes difficultés à la respecter parce qu'il n'y a pas de garantie de salaire, parce que dans l'attente d'un test, ils ne savent pas quoi. Et en fait, ils envoient leurs enfants à l'école ou leur mari va quand même travailler dans le doute. Et je veux dire, il faut que des mesures soient prises, mais très concrètes pour aider les gens à respecter cette quarantaine. Et il ne suffit pas de remettre la responsabilité individuelle sur chacun en disant les gens n'ont qu'à respecter mieux la quarantaine. C'est une histoire collective. Et donc, je pense qu'aussi, c'est aussi de votre ressort de dire qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour s'assurer que les gens respectent cette quarantaine. Et donc, sans revenir sur la question des tests et en restant sur cette histoire de quarantaine, je trouve qu'il y a aussi quelque chose là que les autorités doivent faire et qui est bien insuffisant pour s'assurer que cette quarantaine soit respectée. Merci. Mais il n'en demeure pas moins que chaque citoyen a également une responsabilité individuelle. Oui, mais voilà, ça n'empêche. J'essaie voilà. de les assumer, Madame Kopelic. L'incident est clos. Alors, nu hippigrac tour d'amener Busselen, vos un vrac amener marron. Betreffen de Warborgen rond to kennen van door Irisker aangekondigde subsidies voor de sectoren van de rusthuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de bijstand aan personen. U hebt het woord, meneer Busselen. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Dat is een hele mond vol. Meneer Marron, de gezondheidscrisis heeft zwaar toegeslagen in de zorg. Ook bij de instellingen die afhankelijk zijn of die gefinancierd worden door Earscare. En in het bijzonder voor de rusthuizen. Volgens een studie van de VIB ULB zijn er meer dan 1000 rusthuisbewoners gestorven hier in Brussel. Maar ook de psychische en emotionele druk op het personeel was enorm en laat zijn sporen na. Na het applaus krijgen sommige helden uit de zorg nu te horen en te maken met een mogelijk ontslag, omdat de werkgever, ik denk aan Corian, wil herstructureren. Omdat er te weinig bewoners overblijven in sommige rusthuizen en winstefficiëntie blijkbaar primeert boven het welzijn en de toekomst van het personeel. Afgelopen donderdag konden we lezen op de website van BXAN dat men de Brusselse gezondheidssector wil ondersteunen, voornamelijk via subsidies. Als eerste stap komt er een facultatieve subsidie van €250 per bezet bed. Ten tweede hebben de meeste instellingen te maken met een soms brutale daling van het aantal residenten. En om die impact te compenseren zullen zij voor het tweede en derde kwartaal van 2020 beroep kunnen doen op een financieringsniveau gelijk aan dat van het vierde kwartaal van 2019. En tenslotte is er een derde financiële interventie mogelijk met een forfaitair bedrag van €60 voor elke verloren facturatiedag per leegstaand bed. Nu, mijn vragen zijn de volgende. Zullen multinationale groepen zoals Harmonia, Orpea, Senior Living Group, Corian nu, ook beroep kunnen doen op die steun wanneer zij nog genoeg omzet draaien om zelf die kosten te behartigen? En wordt er voorzien in een clausule die alle financiële steun tijdens de COVID-crisis terugeist in het geval dat rusthuizen en woonzorgcentra die deel uitmaken van zo'n multinationale groepen toch beslissen om te herstructureren, mensen op straat te zetten of rusthuizen te sluiten. Ik dank u. Monsieur le ministre. Dank u, meneer Van Busselen. Het voorgesteld mechanisme aan de instanties van Irisker en deze morgen nog goedgekeurd door de Beheerraad voor Gezondheid, dit hoeft alleen nog voorgelegd te worden aan het Algemeen Comité,
voorziet dat de deze financiële steun uitsluitend wordt toegekend als de banen behouden worden. Om dat na te gaan, zal Iriscare de werkgelegenheidsgraad van het vierde trimester 2019 vergelijken met die van het derde trimester 2020, dus net na de eerste golf. Dit is natuurlijk geen binair mechanisme. Een lichte progressiviteit is voorzien indien de werkgelegenheidsgraad zeer licht gedaald is. Indien de werkgelegenheidsgraad met meer dan 10% gedaald is, zal de financiële steun volledig door Iriscare gerecupereerd worden. Dit geldt voor de openbaar en de private sector. Dank u, meneer de minister. Merci, monsieur le ministre. Meneer Busselen, voor een korte afrond misschien. Dank u, meneer de voorzitter. Dit gaat natuurlijk over enkel de tweede maatregel die is genomen en niet over de maatregel per bezet bed en over de maatregel per leeg bed. En dus in die zin wil ik u er toch aan herinneren dat Korian een nummer 1 is in België. Les chiffres d'affaires de Korian sont à 3,6 Korian Europe à 3,6 milliards d'euros par an. Et même en plein crise Covid, ils ont pu augmenter ce chiffre d'affaires. Et donc c'est justement dans ce groupe qu'il y a des maisons de repos qui risquent de fermer. Et donc c'est bien de soutenir ceux qui en ont besoin, mais quand j'entends que certaines maisons de repos du Korian peuvent fermer, je me pose la question, ok, donc quel monde en vit, donc on applaudit ici, on applaudit pour les héros du secteur de santé, maintenant on va les mettre dans la rue. Et dus ja, ik zou meer willen weten, ik zou willen weten wat u gaat doen in het geval van sluiting, op het vlak van de facultatieve subsidie van 250 euro per bezetbed en op het vlak van de 60 euro voor elke verloren facturatiedag per leegstaand bed gedurende de COVID. Ik weet niet of u daarop kan antwoorden. Dank u, meneer Busselen. Donc je ne sais pas clarifier ça avec vous maintenant. Je vous invite à me réinterpeller en commission. On fera le point complètement sur ce mécanisme qui est en cours d'élaboration, puisque Iriscare est en train de décider maintenant des modalités. Les modalités ne sont pas complètement définies, donc c'est une actualité hyper fraîche. Il faut savoir d'où ça vient au départ. Donc il y a la volonté de soutenir le secteur des maisons de repos qui est touché. Voilà. Il n'est pas de ma responsabilité du fait qu'une bonne partie du secteur de maisons de repos à Bruxelles, c'est du secteur privé, parfois des multinationales, vous avez raison. Très franchement, je préférerais un autre modèle d'organisation des maisons de repos, mais voilà, c'est celui avec lequel nous devons gérer. Il y avait une demande des syndicats aussi. Dès le départ, dès ce printemps, les syndicats ont dit « attention, si les recettes des maisons de repos s'effondrent, elles risquent de devoir fermer ou de licencier du personnel, même si elles restent ouvertes, et donc il faut les soutenir ». Pour empêcher ces licenciements, parce qu'effectivement, les personnels ne sont pas responsables, ce n'est pas de leur responsabilité, et les maisons de repos vont se relancer par la suite. C'est dans cette logique-là que nous avons conçu ces mesures de soutien qui sont maintenant donc en discussion à Iriscare et qui devraient être décidées dans les heures qui viennent. Ok, vous aurez l'occasion d'en reparler lors d'une autre question dans une commission. L'incident est clos. Nous passons à présent à la dernière question d'actualité. C'est celle de M. David Weitzman, adressée initialement à M. Vervoort. C'est M. Marron qui répondra. On le remercie d'ailleurs d'avoir répondu à différentes questions qui ne lui étaient pas adressées initialement, relatives au renforcement annoncé par la cellule de crise provinciale bruxelloise de la sensibilisation aux mesures Covid-19 auprès des groupes cibles. Vous avez la parole, M. Weitzman. Vous avez presque tout dit, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre... C'est le titre de votre question. La cellule de crise de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale a effectivement, comme Monsieur le Président l'a bien dit, décidé ce lundi de maintenir les mesures actuelles liées à la pandémie que nous vivons et de, c'est important, veiller à leur application correcte, évidemment, et je vous interroge sur cette partie-là. Finalement, les communes, via leurs 19 bourgmestres, mais aussi le gouvernement régional, via la communication aussi du ministre-président, ont décidé de renforcer, comme Monsieur le ministre, Monsieur le Président l'a dit, la communication et la sensibilisation auprès des groupes cibles, qui sont d'ailleurs définis dans le communiqué de presse commun, c'est-à-dire les jeunes, les familles et les entreprises,
où les clusters ont été observés. Alors, c'est vraiment important, Monsieur le Ministre, parce que je sais que vous, comme moi et comme principalement enfin, tous les autres députés ici, on est évidemment des politiques, mais aussi des acteurs de terrain, et on voit aussi sincèrement que dans certains quartiers, ces gestes barrières sont de plus en plus difficiles à être respectés. J'ai écouté tout le débat antérieur, il est évidemment fondamental, la quarantaine et le testing. Si tout le monde respectait ces gestes barrières, ce débat serait encore moins essentiel, évidemment. Donc on vous soutient, évidemment, dans cette campagne de sensibilisation et de communication. Elle est fondamentale si on ne veut pas arriver à des situations aussi graves que ce que sont en train de vivre d'autres villes dans le monde, européennes et Madrid plus récemment, en confinant un quartier de Bruxelles ou confinant un quartier de ces villes-là. Ce serait évidemment catastrophique pour des raisons sociales et vous le comprenez. Donc, quelle va être cette campagne? Quel est finalement les publics cibles sur lesquels vous allez l'axer directement? Comment est-ce que vous allez toucher ces publics cibles en particulier? Et quels sont les budgets qui seront débloqués pour cette campagne de communication et sensibilisation? Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Weitzman, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Monsieur Weitzman. Votre question est évidemment très importante. Je me permets de lire un petit peu parce que c'est un mixte de réponses, y compris qui vient du cabinet de Monsieur Vervoort. Donc, pas de souci. Je ne vais pas lire texto, mais je vais quand même jeter un œil sur mes notes. Et donc, effectivement, il y a des actions de communication qui ont été lancées ces derniers mois, qui sont toujours en cours, des relais de campagnes de communication avec des visuels réalisés par le fédéral, mais aussi des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Vous les voyez parfois circuler peut-être dans votre fil, y compris lancées par la COCOM et la région bruxelloise, des sensibilisations mises en place par les communes, évidemment, le site Coronavirus Bruxelles, etc. etc. Néanmoins, on a bien conscience, vous avez raison, que le taux d'adhésion de la population par rapport aux mesures a tendance à baisser encore plus dans certains quartiers que dans d'autres, sans doute. Et donc, il y a du boulot à faire. On va lancer plusieurs campagnes de sensibilisation, dont une plus générale qui a d'abord pour but de remercier les citoyens pour leur engagement dans la lutte contre le virus et de continuer à les encourager à respecter les mesures sanitaires. Une campagne qui se voudra empathique, accessible et ludique pour tous les publics, y compris en ciblant les enfants et les personnes plus âgées. Il est également prévu de mettre en place des actions plus ciblées à destination des jeunes, mais aussi des femmes en situation de précarité, des publics cibles qui ont été identifiés, mais aussi auprès des pharmaciens et des médecins qui représentent des relais locaux importants. On voudrait un peu changer de paradigme dans la façon de s'adresser à la population, arrêter de faire peur ou de responsabiliser de manière excessive, mais plutôt remercier les gens et plutôt miser sur leur autonomie et leur empowerment. C'est quoi la vie soutenable qu'on veut avec le virus en tant que citoyenne ou citoyen acteur avec une capacité d'action et en faisant confiance à la capacité d'action, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec vous? Et donc, ça va miser plus sur ça, en fait, les capacités d'action et de détermination des personnes elles-mêmes, avec le soutien collectif, évidemment, des communications plus positives, si vous voulez. Pour ce qui est des publics précarisés, là, on va s'axer sur des sensibilisations de terrain. On va diffuser à large échelle un guide d'animation à l'attention des professionnels, des volontaires et des relais qui agissent et communiquent auprès des publics vulnérables. Dans des secteurs tels que la promotion de la santé, la cohésion sociale, les services ambulatoires, l'enseignement, l'alphabétisation, l'éducation permanente, l'ISP, les CPS, etc. etc., etc. Par ailleurs, il y a des formations MSF et équipe hygiène de la COCOM à l'attention des communes qui vont être prodiguées. Aussi, des prises de contact avec des représentants de communautés culturelles et leurs associations afin de s'assurer du soutien et de leur soutien de ces associations-là qui sont en contact avec des communautés culturelles, philosophiques importantes, d'assurer de la diffusion des messages aussi dans ces populations-là qu'on ne touche pas avec les moyens de communication classiques. Enfin, il y a toujours une coordination qui est effectuée avec les communes et une mise à disposition de matériel de communication pour les communes qui mettent en place par elles-mêmes souvent et régulièrement des campagnes de communication sur leur territoire avec distribution de tracts, parfois passage de véhicules avec des haut-parleurs, communication via des agents de quartier ou affichage spécifique dans des quartiers. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport aux actions de sensibilisation en route et à venir. Merci, Monsieur Marron. Monsieur Weitzman. Je vous remercie.
Je pense vraiment qu'il faut un déclic fort ou quelque chose vraiment où taper du poing sur la table. Je pense que les leviers ne sont pas intégralement dans les mains de la région, mais en particulier dans les communes. C'est pour ça que j'apprécie effectivement le communiqué de presse commun. On doit aller dans les écoles, on doit aller dans les maisons de jeunes, on doit aller dans les clubs de sport, on doit travailler avec les gardiens de la paix, type bravo, hein, qui ne sont pas là pour sanctionner. Évidemment, en bout de chaîne, on doit aussi travailler avec la police. Vous l'avez dit, mais je le verbalise encore plus clairement que vous. On doit travailler avec les mosquées, on doit travailler avec les églises, avec les synagogues, il faut toucher tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression, je me permets de le dire pour les quartiers que je connais mieux, que dans le nord de Bruxelles, on n'arrive pas à toucher certaines populations. Et on le voit quand on va célébrer ou dans des fêtes qui sont organisées. Et il n'y a pas assez d'appui, il n'y a pas assez de relais, il n'y a pas assez de soutien. Donc je crois qu'effectivement, on doit d'abord sensibiliser avant que sanctionner. Toutes les études montrent que la sanction, ce n'est pas la panacée, mais il faut sensibiliser davantage, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Wetzmann. L'incident est clos. Alors, chers collègues, nous avons un petit peu d'avance et comme d'habitude, je vais suspendre la séance pour que nos services puissent désinfecter la salle de l'hémicycle avant que nous passions au vote à midi. Donc, faisons une petite pause de, disons, 10 minutes.
Chers collègues, pouvez-vous prendre place, s'il vous plaît ? John, John, c'est pour toi, hein? Oui, mais je préfère lui dire c'est pour toi, mais... Bien, chers collègues, un petit peu d'attention, ça va aller vite, nous avons un seul vote. Alors, l'ordre du jour appelle le vote nominatif sur l'ensemble du projet d'ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'État fédéral, la communauté flamande, la région wallonne, la communauté germanophone, la commission communautaire commune concernant le traitement conjoint des données par Cienzano et le centre de contact désigné par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes présumées infectées par le corona Covid-19 se fondant sur une base de données auprès de Cienzano. C'est le document B44.1 et 2. Nous passons au vote sur l'ensemble du projet d'ordonnance. Quelqu'un demande-t-il la parole pour une explication de vote ? Il est procédé au vote. Début du vote. Tout le monde a-t-il voté ? Chacun a-t-il vérifié son vote ? Fin du vote. 72 membres ont pris part au vote, 10 abstentions, 1 non, 61 oui. En conséquence, l'Assemblée réunie adopte le projet d'ordonnance qui sera soumis à la sanction du Collège réuni. La séance plénière de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune est close, comme à l'accoutumée. Comme à l'accoutumée, on va sortir dans l'ordre. Alors, chers collègues, j'invite les collègues de One Brussels SPA et la NVA de quitter la salle. L'un par la cafétéria, l'autre par l'entrée. J'invite le PS à quitter la salle via la cafétéria. Knud de Vlaamsbelang en Agora Zalt verlaten via de Hoofdingang. Mevrouw Oostraat ook en meneer Oskara. Chef Kate. J'invite Écolo à quitter la salle via la cafétéria et j'invite le CDH à quitter la salle via l'entrée principale, à l'exception de Bertin. Bertin, toi tu ne sors pas. Hein. Avec le CDH. Ik nodig de CDNV uit de zaal te verlaten via de hoofdingang. Ik nodig Groen uit de zaal te verlaten via de cafetaria en de PVDA via de hoofdingang. J'invite le PTB à quitter la salle via l'entrée principale. J'invite le MR à quitter la salle via l'entrée principale et défi via la cafetaria. Et même chose pour l'Open VLD.
Ah ben là,